Alors, tac, tac, simple ça là. Hey, coucou à tous ceux qui arrivent. Bienvenue, bienvenue sur la live. Allez. Alors, du coup, paf, on met la scène directement. On va pas attendre 3 heures, hein, c'est pas le but. Avec Minecraft juste derrière. Ouais, super, super. Allez, salut à tous ceux qui arrivent. On construit un château en mode hardcore dans Minecraft. Quel bonheur. Ça, Mélanie, ça, la Coffee-mam. Et salut à tous ceux qui sont en train d'arriver. Alors, single player, monte solo hardcore. Je sais plus quand est-ce que j'ai fait ma sauvegarde. Bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Voilà. Alors, attendez. Avant de commencer, faut absolument que je m'émuche. Il faut que je m'émouche. Voilà. Voilà, ça va mieux. Allez, salut! Mais oui, Mélanie, je t'ai dit de m'envoyer un petit mot sur Discord en MP. Il faut que tu m'envoies un petit mot sur Discord, Mélanie. Voilà. Allez, salut, salut à tous. Carte Excalibur, Eragon, mon Dudule, Lynn, ma petite Lynn. Voilà. Ah, tu l'as fait en MP? Ah, j'ai pas vu. Oh, c'est bizarre. T'as fait clic droit sur mon nom et... Bon, bah écoute, j'ai pas vu. Bon, faudrait que faudrait qu'on refasse ça. Voilà. Oui, je suis sur la page de Twitch. Oui, ça dépend des jours. Alors, quand même que je vous montre où est-ce qu'on en est dans ce châtal. Un châtal des châteaux, bien sûr. Ah, parce qu'on avance gentiment. Je vais peut-être descendre quand même. Ah, on va descendre gentiment. Hop là. Ok. Bon, on verra ça. Coucou Eric Kiki Dragon. Coucou à tous ceux qui arrivent. Bienvenue. Ah bah oui, c'est vrai que j'ai un mode spectateur. Je suis bête. Alors, je suis en hardcore. Attendez, on va faire F4. Voilà. Alors, mon corps est toujours là. Je suis là. Où est les gros cocos? Hop, petit mode spectateur. Voilà, où est-ce qu'on en est? Oh, c'est bien. Oh, c'est incroyable. Ok, alors petit tour du propriétaire. Là, ça serait bien. On va peut-être terminer du coup l'étage. L'étage qui est là. En plus, on a les fenêtres qui sont faites. On a le truc qui est fait là. On a les hauteurs de toit. Ça, c'est plutôt cool. Il y a juste un truc. Le toit qui est là, je trouve qu'il monte pas assez haut. En fait, je l'ai pas fait monter assez haut tout de suite. J'aurais dû le faire monter plus haut tout de suite. Là, en fait, la forme est jolie. Vous voyez, la forme est jolie. Elle fait comme ça. Mais remarquez, je suis en train de me demander si je vais pas le faire monter plus. Donc là, rajouter peut-être un bloc. Là, passer en 3 et puis monter un peu plus. Peut-être le faire monter un peu plus le toit. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Voilà. Alors. Merci, Pekal. Oh, c'est ton anniversaire. Trop bien. Merci, merci, Pekal, c'est super gentil. Alors, du coup. Eh ben, moi, ce que j'ai envie de dire. Est-ce qu'on s'occupe de la tour tout de suite? En fait, de la du toit qu'elle a, vu ce que j'ai sur moi, non, on va d'abord vider un peu nos poches. Et pour vider nos poches, on va juste faire déjà le mur qu'elle a. On va vider la partie qu'elle a. Ouais, on va se faire ça vite fait. Ça va être vite fait, bien fait. Bon, je vous le dis, moi, calme-toi, calme-toi. On va faire la petite partie qu'elle a là-bas. Ah oui, en plus, je suis bête parce que j'ai un.
J'ai le mode spectateur pour qu'on puisse voir est-ce que je mets mes blocs. Oh bah il y a des chances. Il y a des chances Excalibur. Même la dernière fois, on était monté à plus de 2000. C'est bien. Je trouve que c'est cool. Salut Dofus Sulpice. Bienvenue à toi. Coucou Banders. Regardez-moi ça, ça va. Et il pleut. Bien sûr, il pleut. J'ai mon lit, j'ai tout ce qu'il faut ou presque sur moi. Je pense que là, je vais faire le mur tout de suite. Ça va nous débarrasser de pas mal de blocs. Et le mur. Le mur, il est à double épaisseur. Ok, donc là, il y a l'arche qui commence juste là. D'accord. J'ai mon arche qui commence juste là. Et derrière, donc j'ai full sandstone comme ça. Ok. Donc c'est ce qu'on va faire. J'avais laissé un truc en bas comme ça. Bref. Ok. D'ailleurs, ça n'existe pas. Tac, on récupère. Et donc on va se mettre à de la smooth sandstone. Tout le long comme ça, tout le long comme ça. Ça va le calmer, ça, déjà d'entrée. On n'est pas énervé, ouais, mais quand même. Ça va le calmer quand même. Puis c'est tout. Poser du cube aujourd'hui, on n'est pas là pour tricoter. Qu'est-ce qu'il dit, Al? Mais si, c'est bien. Mais c'est bien qu'il y ait du monde. Voilà. Bien sûr que c'est bien. Allez. On est quand même là pour construire des châteaux. Entre autres. En vrai, combien j'aurais fait de châteaux dans Minecraft? Ou d'églises et de cathédrales Je sais pas, mais il y en aurait eu quelques-uns. Des mosquées aussi, j'en ai fait un paxon. Hein. Rien que sur la saison 4 d'Olicube, on avait fait, avec Alps, on s'était amusé, on avait fait un sacré paquet. Hein. C'était assez sympa. Voilà. Est-ce que j'ai une solution pour avoir de la lave en illimité sans stalactites? Non. Je crois pas qu'en mettant deux sources de lave, tu sais, comme l'eau avec de l'eau, tu peux mettre deux sources. Oh, j'ai plus de smousse. Trop de bitch. Je vais aller en chercher de la smousse. Tu mets deux sources d'eau comme ça et au milieu tu peux en prendre. J'avoue que j'ai jamais essayé avec la lave. Je crois pas. Hein. Voilà. Ouais, c'était la cité des mille et une nuits. La saison 4 dans l'équipe, je crois. Si je me rappelle bien, d'ailleurs. Voilà. En 1.21, ça marche la source de lave? Ouais. Voilà. Game rule, lava source conversion, trou. D'accord. Faut dire que c'est vrai, et puis du coup, bah voilà. Ah d'accord. Tu fais juste ça, et ça marche. Et ben voilà, Yoji62, tu as ta réponse. Ici, on a des professionnels de Minecraft, des gens qui ont réponse à tout. C'est incroyable. C'est vrai, en plus, hein, on en a quelques-uns dans le chat. Al en fait partie, hein, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on veut, nous? Eh ben, nous, on veut bien... On veut bien ça. Choc, choc. Et... J'ai plus de place. Bon, c'est pas grave, tiens. Il y aura la dalle qui est là, elle va pas... On va mettre ça. Et puis... on va prendre ça parce qu'on en a besoin de pas mal. Voilà, on va remonter. Ah bah tiens, il fait niche. Tant mieux. Merci à toi, ami Jojo, qui m'a offert son prime pour le 15e mois. Salut à tous et salut à toi. Et merci beaucoup pour ton soutien, qui est bien apprécié. Il faut le dire. Bien sûr. Donc c'est cool. Alors, on remonte. Normalement, c'est bon. Ouais, c'est bon. Tant qu'on n'a pas de bestioles, c'est ça qui est important. On n'aime pas les creepers. Hein. D'où le nombre de chats et de chiens impressionnant. Non, c'est surtout les chats. Je mets toujours un chat aux entrées, on ne sait jamais. Et puis là, en plus, il y en a qui se promènent partout. Vu que j'ai fait une production de villageois relativement conséquente. Et par conséquent, on a des chats qui popent, qui arrivent.
comme dans la vraie vie. T'as des chats qui arrivent, tu sais pas pourquoi. Moi, dans mon village, c'est comme ça. Tu vois, ils apparaissent, je fais tiens, un chat. Bizarre. J'ai bouché là-bas, ouais, c'est bon. Jusqu'à où monte, jusqu'en dessous le bois, je crois bien. De toute façon, il y aura un plafond, tout ça, donc on peut monter tranquillou. Ok. Alors, les murs, on va looter, je pense pas trop, mais au moins jusqu'en dessous le bois. Ça va le faire, ça. Si j'en ai assez, bien sûr. Je pense que ça ira. Voilà, coucou Jockey. Eh, bienvenue, tous ceux qui sont en train d'arriver sur le live. Voilà, on construit un beau château en mort hardcore. Hein. On n'a pas le droit de mourir. En plus, on a de la bonne musique, tout va bien. Je suis monté jusqu'à là, là. Ah, peut-être pas, mais de toute façon, il faudra monter. Ah oui, sauf si je fais une freeze. Je verrai après. Ça, c'est pas la question prioritaire. On fera peut-être une freeze par la suite. Par contre, ce que je veux voir, c'est à quelle hauteur j'ai mis les trucs. Aïe. C'est pas de logique, moi, là. Attendez, F4. Oh, non. Ça va vite, hein. C'est un mode spectateur, je passe à travers les murs. Ok. Donc ici, à partir de là, on va se mettre juste un bloc. En fait, techniquement, c'est bloc à escalier. Bloc à escalier. Je peux en les mettre tout de suite, tu me diras, les escaliers. Si j'en ai assez, qui vont à ce niveau-là. Ouais, si c'est bon. Je pense que ça va le faire. Si je grimpe ici. Bon, j'ai assez de hauteur là. On est pas mal. Donc, le bloc, il va être. Va être là. Je pense qu'on va rejoindre l'autre qui est là. La jonction. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 à chaque fois. Hein. Et bon. 5, c'est bon. Et sauf que là, bah, évidemment, j'ai pas de pilier. Donc, on va le casser. On va le casser là, ça sera plus simple. Je vais monter avec ça. Choc. Des escaliers, j'en ai un petit peu, mais pas assez. On en prendra un petit peu. On va faire hop. Ok. Ça casse. Ok. Et on va être aligné juste là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir un escalier qui va être là. Ça va être. Tac. Ok, on va déjà faire ça, puis on fera les jonctions après. Hein, on verra après comment est-ce qu'on gère le. De toute façon, ça monte jusqu'en haut. Voilà, salut Romain, salut à ceux qui arrivent, bienvenue. Oui, ça va aller jusqu'à là d'ailleurs. On va faire les bourrins, hein. De toute façon, on a les bottes qui vont bien. Donc, ça va. Comme ça, on va monter ici. Pop. Quand même, faire attention. Je perds des cœurs. Je suis quand même en hardcore. J'ai pas le droit de mourir, les amis. Strictement interdit de mourir. Voilà. Bon, j'aurais au moins finir mon château avant. Quand même. C'est vrai, j'ai pas d'Eltra. Chaque fois, je me fais avoir avec ce truc. Là, je vais monter là. Ça c'est ok. Ok. Je vais casser ça. On va aller récupérer. F4. Hop, je me sépare de mon corps qui est toujours là. Alors c'est juste un mode spectateur, les amis. Mais mon corps est toujours là-bas. Si je me fais taper, je peux mourir. Okay, il faut faire attention. Très attention. Il y en a qui se rappellent pourquoi. Donc là, jugumiste, on en met juste un bloc, une dalle. Ok, et les escaliers. En vrai, je vais peut-être faire les escaliers d'abord. Je vais faire les escaliers d'abord, parce que c'est facile à faire. Et après, on fera un bloc et dalle, et ça fera bien l'affaire. Voilà. Donc du coup, on va monter. Tiens, j'ai déjà perdu un... J'en ai déjà perdu un. Hein. Tac, ça, on va mettre là. On va se faire quelques escaliers supplémentaires. Genre...
ça ira, je pense, avec ça. Tac. Ouais, ça ira, je pense. On récupère ça. Et c'est bien. Voilà. Un beau château, mais bien sûr qu'il est. Voilà. Ok. Donc du coup, on va se mettre les escaliers qui sont en papier. Ah non, bien sûr. Où est-ce que je monte? Je vais monter là. Je pense qu'on sera pas mal de hauteur. Hop. En tout cas, c'est cool quand Twitch te met en avant comme ça, c'est cool. Paf. Allez, on retirera après. Bon, on va pouvoir poser le bloc ici. Là, ça va être dans l'autre sens, c'est-à-dire comme ça, sauf que j'ai intérêt à mettre lui en premier. Hop, hop, hop. Ah, si. C'est bon. Hop là. On tirera l'autre après. Hein. Ça va là. Donc, on va descendre. D'accord. Ok. Hop, hop, hop. Il va gentiment, hein. Sans s'énerver. Voilà. Il va être sympa, ce château, quand il va être terminé. En même temps, un roi se doit d'avoir un châtal des châteaux, hein. c'est normal, quoi. Coucou mon Freud, 77e mois, voilà. Oui, c'est la cabane du jardinier. Mille et un bisous de ta chérie toi. Eh ben écoute, tu fais un gros bisou à Félina. Et mon Freud, moi aussi, je te fais des gros bisous, mon pépère. Voilà, c'est super gentil, merci pour ton sub et ton soutien, c'est adorable. Tac. Ok, là, bim. On va monter là. Finalement, c'est pas drôle. On récupère ça. Et tac. Donc ça, c'est bon. Alors, vu que ça c'est bon, normalement, je me rappelle plus juste un truc. C'est est-ce que j'ai mis des barrières en dessous? Oui, sous les blocs, j'ai mis des barrières. Et ok, et elles arrivent au même niveau que ça. C'est très bien. Du coup, schlock. On va récupérer l'escalier qui est tombé par ici. Ok, donc là on va voir bloc. Alors les dalles, on va les prendre tout de suite. Oh mon dieu, j'ai plus de dalles sur moi. Bah, on va s'en refaire vite fait. Je les ai laissées là-bas, dis donc. Merci utilisateur anonyme qui a offert un sub de level 3 à Eric Kiki Dragon. Eh bah dis donc, c'est super gentil. Merci beaucoup utilisateur anonyme. On t'a reconnu. Non, je dis rien, on sait jamais, c'est peut-être un vrai... Sinon, on peut deviner qui c'est, si. Je dis ça, je dis rien. Attendez, j'ai pas fait mes dalles. Crotte. Tac. Des dalles. On va s'en faire une vingtaine comme ça, c'est bien. Ok. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre que j'ai vu que j'en avais presque pu? Ah bah si, elles sont là, je n'avais pas vu. Ok, donc ça c'est bon. Coucou Dilo. Ok, ça c'est bon. Donc là on va avoir juste dalle là, voilà, puis on va avoir nos arches qui vont être moquées. Super. Ah, regardez-moi ça, c'est mignon ça, bah, bien sûr. Allez, ça roule. Hop, on se fait ça. Juste à côté, ben on va partir de là, ça sera plus simple. J'ai même pas besoin d'aller trop loin. Parce qu'on va reprendre... Attends, ça, j'en ai besoin. Les escaliers, pour l'instant, à pub. À faire. Pan. Et voilà. Tcha. Et voilà. Bien ça. Magnifique. Comment ça va, Lilo? J'espère que tout va bien. Bon, ça va, on est entre nous, là, on est un petit côté. Tout va bien. Ouais, ça va. Bon, je suis content, là, quand on construit des trucs, qu'on est nombreux, c'est cool. Hop, avec de la bonne musique.
des amis, que demande le peuple. Enfin, elle est pas belle la vitre. Après une dure journée de labeur, parmi beaucoup d'entre vous. Là, voilà, on arrive, on se construit un petit château tranquillou. En étant un minimum prudent, quand même, bien sûr. Et puis voilà, quoi. Magnifique. Allez, moi, je construis un château, je suis un SDF. J'ai mon lit sur moi, tout. Les pans. Alors, merci. D'ailleurs, merci Freud. Voilà, merci Freud qui a mis 100 bits GG pour les 1500 viewers. Hein. C'est trop gentil. Et salut à toi, Romanus, Latinus, AV. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, c'est super gentil. Choc. Alors, du coup, pour cette partie-là, moi, je dis qu'on est bon. Il y a juste une petite question... qui me taraude ou pas. Attendez, comment... Ah oui, c'est vrai, je l'ai fait plus petit, ce truc-là, pour une raison particulière. C'est pour que ça fasse un peu comme une échauguette. C'est avec une base très très fine. Voilà. Oui, ça, c'est parce que je vais rajouter des arches. Donc, on va se mettre des petits escaliers qui vont aller ici. Ici, et je sais plus ce que j'ai mis dans les coins. Dans les coins, coins. Un bloc plein, logiquement. Ah non, j'ai mis deux barrières. Okay. D'accord. N'insiste pas. Deux petites barrières qui vont là. Schlack et là. Ça c'est cool. Et schlack. Par contre, ici, c'est peut-être pas la peine. Attention, on va monter par là. De toute façon, je vais avoir une petite... toute petite ouverture de 3 par 3 par 3 en smooth. Donc on va se faire pareil. Voilà. 3 par 3 par 3, c'est parfait. Sauf que au sol, j'aime bien mettre un peu de cut sandstone. Parce que yolo, toc toc toc, et quelqu'un, y a personne. Ok, donc ça c'est bon. Et tout le reste, bah, on va monter ça en smooth sandstone. Sauf qu'on laisse des trous-trousses. Qui vont être, je sais pas, coucou mon TRD. Eh, TRD, rigole pas, hein, TRD. Hein. C'est un bon pépère, ce TRD, regardez. Qui a reçu pour son 32e mois, level 3. Merci. Bisous à toi, mon pépère, c'est adorable. Merci à Banders aussi, qui a mis 50 bits. Voilà. Et merci à tous ceux qui font des follow, bien sûr. Oui, c'est des trous d'aération. Ce qui fait chaud, donc du coup, coucou, Major Brington, j'espère que tu vas bien. Oui, c'est des grandes fenêtres. Et Skype, hein, je t'ai mis un petit message privé. Merci également pour ton soutien, ton sub de tout à l'heure. C'est super gentil. Alors, Céline qui a ouvert les fenêtres. Je m'en doutais. 1, 2, 3. Tiens, je vais remettre ça. Et puis tout ça, on va le monter. On va le monter. Bah, au moins jusqu'à là-haut. Sauf que les fenêtres, j'aimerais voir à quelle hauteur je les ai faites. Les fenêtres, on a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc 7. Donc un trou de 7. Là, on va faire 1, 2, 3. Ah, c'est pas de la cote que j'ai mis. Doucement, t'énerve pas. Oh, t'es pas énervé. Hein. Voilà, donc là, on monte de 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et au 8e. Donc, moi, je... Voilà, ça sera un truc comme ça. J'aurais pu. Voilà. Donc là, c'est bon. Et au-dessus, hein, bien sûr, on aura. Pouette. On rejoint les copains. On va essayer de sauter là. Comme ça. Oh ! Merci, Gus Deis. Oh, tu me followais pas devant. C'est honteux. Je rigole. Merci pour tous les follow en tout cas, c'est super gentil. Et merci l'ami Major Boynton, Papy Boynton, qui m'a mis 1000 bits. C'est super gentil, merci beaucoup à toi. Alors pour ceux qui ne savent pas, hein, je pense que la plupart d'entre vous le savent, mais donc vendredi soir à 20h, comment dire, il y a
Flamingo Island 2, hein, donc c'était un concept qui avait été lancé par Gus DX sur Minecraft à l'époque, quand on était jeune. Et donc du coup là il y a Dark Even qui a redemandé et Gus joint avec nous, donc c'est super. C'est vraiment voilà, un petit retour aux sources après avoir fait la chasse aux fantômes, tout ça fait plaisir. Donc voilà. Est-ce que j'ai des barrières sur moi? Ah oui, j'en ai plein. Super. J'aurais peut-être dû les mettre au fur et à mesure ou. Je vais pas être assez grand, tu vas voir. Ah si, c'est pas grave. J'aurai un peu de soupe. On se met ça comme ça. Ok. Et puis on va se prendre un petit peu de recul aussi pour voir ce que ça commence à donner. Cette histoire là. Attends, F4. Voilà. On est pas mal. On est pas mal, surtout qu'on est en survie. Donc ça, c'est un petit mode spectateur hein, que j'ai, qui est cool. Hein. Alors merci, Dudon, ils sont énervés. Hein, Major Bonington qui a remis 1000 bits. Mais merci beaucoup, ça fait deux fois. Et Al qui a offert un sub à Nikonilis. Et TRD qui a offert un sub à Rorep. Merci beaucoup, les amis. C'est super gentil. Voilà. Elle est pas belle, la vitre. Incroyable. Magnifique. Alors du coup là on va monter schlock tout ça. Faut que je reprenne mes esprits. J'ai déjà. Ah par contre il faut qu'on fasse cuire. Bon on va faire cuire un peu de sandstone. Je vais manger un coup. Aussi parce que ça craint du boudin. On la connaît l'histoire. Hein. Voilà. Non c'est vrai. Et en plus, j'ai trouvé la musique que j'allais mettre. En plus, je crois, vu que c'est un ami à moi, enfin, c'est un ami, mais qui est musicien. Il fait des concerts et tout, mais c'est un pro de l'harmonica. Vous verriez ce qu'il fait à l'harmonica. Et à un moment, il fait une musique de Charlie McCoy à l'harmonica, mais je ne sais pas si elle est libre de droit. Du coup, voilà. Je l'ai connu comment, Gus DX, parce qu'il y a 12 ans, je regardais quelques-unes de ses vidéos. Et après, quand je suis monté assez vite sur YouTube et après on s'est rencontrés IRL. Voilà, et puis on a sympathisé hein, vu que il est un tout petit peu plus jeune que moi, mais voilà, c'est quelqu'un que j'aime bien pour ça, qui a une bonne mentalité. Voilà. Oui, là c'est un château de sable, Freud, exactement. C'est vrai. Je fais un château de sable. Et merci beaucoup Alima qui a sub Prime, merci à toi, c'est super gentil. C'est adorable. Ils sont en train d'éclater le train de la hype là. Faudra quand même que je la mette la musique. Faudra que je trouve ce qu'on fait d'ailleurs pour faire ça. Alors ceci n'est pas tout. Il faut peut-être qu'on fasse cuire un petit peu de sandstone pour avoir de la smooth. Sandstone. D'ailleurs là, il y en a une de trop qu'on va mettre. Ici, parce qu'il en faut 8 pour faire un stack, bien sûr. Voilà, un stack ici, et schlock, 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 et un stack par là. Voilà, tout ça, ça fera de la smooth sandstone. Et par contre, du coup, qu'est-ce qu'il nous reste là-dedans? D'accord, j'aurais vraiment pu. Là, par contre, je peux prendre de la sandstone normale pour faire le reste. Du coup... Je suis en train de voir. On va mettre les vitres. Ah, ça c'est. Ouais, mes allers-retours, je fais sans arrêt. Vu que j'oublie des tas de trucs. Allez. On va laisser cuire ça. À mijoter four à 180. Voilà. Pendant une demi-heure, vous allez voir, ça va être une tuerie. Non, je ne me substituerai pas à ma femme qui cuisine merveilleusement. Voilà. C'est facile avec Sound Alert. Ah ouais, je regarderai, ouais. Voilà. Ah bah si, on peut monter les trucs. Vu que j'en ai 7 que je peux mettre. Donc là, hop. J'en ai un petit peu qu'on va mettre ici. Et donc je peux monter de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la ruse. Donc là, on va boucher là et là. Ok. Et ici. On va reprendre ce qu'il y a là. Alors, normalement, on est censé arriver à peu près au même level. Hein, ici. Voilà. Alors merci, ça y est. Ils sont en train de tous s'énerver avec les subs.
Voilà, merci pour tous les follow et merci la boîte à bricole qui reçoit pour son 60e mois. Et ça, c'est beau. Hein. D'ailleurs, 60e mois, son 5. Ça serait pas un ami. Attends, à un moment, je sais plus à un moment. Voilà, joyeux anniversaire. 48 mois, je suis sûr, c'est anniversaire pour Rekushi aussi. Bon, dis donc, 5 ans, c'est beau. Eh, c'est beau. Hein. Ah bah, du coup, tu vas voir le badge des 5 ans. Je crois que j'avais fait un badge exprès, si je me rappelle bien. Oh bah dis donc, j'arrive pile poil à cette hauteur-là, le truc. Par contre, on a toute la hauteur ici à faire, F4. Je vais juste regarder. Parce que quand même, un château Renaissance, il y a des petites symétries à droite, à gauche. D'accord, donc là, j'ai laissé quand même un mur en ouf, faune. Et on est monté de... De combien est-ce qu'on est monté On va dire que le bloc... face à l'escalier, mais je sais pas si je l'ai mis. Je suis pas sûr. Bien sûr que non, sinon c'est pas drôle. Ok, donc au niveau de la hauteur, le bloc plat va être bon. On va compter, ça sera plus simple. Donc là, on va être à dessus du sol. On va être à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et c'est au 10e. Ok, au 10e bloc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ceux qui sont devant. Donc on va voir 1, je sais, j'ai compté, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc ici, bim, c'est quoi ? Qui est ce vilain ? Voilà. Pas de sauvegift, pas de motif. Merci TRD. Et vous pensez que les... Il y a des gens qui ont vraiment ce nom-là. Quand même... C'est ça qui est... Ça me fait trop rire. C'est incroyable, quoi. En tout cas, merci TRD, c'est super gentil. Ok, c'est bon. Normalement, il m'en manque juste une. On va descendre doucement par là. Hop. Et on va remonter gentiment là. Ok. Et pan. Voilà, c'est bon. Et ben voilà. Magnifique. Chérie. Donc, par contre, on va les récupérer. Déjà, on va dormir. Et nous allons récupérer ce qui cuit. Voilà. Non, c'est ça, Valro. C'est parce que Twitch, de temps en temps, il met des gens en avant. Et du coup, en fait, quand t'es YouTuber, streamer, pardon, quand t'es streamer, YouTuber, ça peut aider, mais ça change rien. Tu peux compter sur le Discord de Twitch. De temps en temps, ils te demandent si tu as envie d'être sur la page d'accueil de Twitch. Et il faut le demander. Et normalement, tu y as le droit une fois par trimestre, je crois. Et bah voilà, moi j'avais demandé. J'avais dit. Bah, avec grand plaisir. Au contraire. Mettez-moi en avant. Ça fait toujours plaisir d'avoir beaucoup de monde. Bon, c'est vrai que quand il y a Olicube qui démarre, c'est vrai qu'on est quand même très nombreux aussi sur les lives, donc ça va. Je suis pas complètement déstabilisé, j'ai quand même l'habitude, mais bon, ça fait plaisir. Ouais, il va falloir que je change bientôt de nourriture, parce que les carottes en or... Ah, quoi que... De l'or, j'en ai encore pas mal. Des carottes, ça fait longtemps que j'ai pas été en chercher. Bon, là, pour l'instant, en carottes, on est à peu près tranquille. On va pas manquer tout de suite. Faut dire que j'ai des plantations qui sont cachées. Bien sûr. Hein. J'ai mon petit potager à des persos qui est là, tranquillou. Voilà, c'est sous les trucs du château. Ça aide bien. Hein. On a quelques PNJ d'ailleurs pour nous aider. J'ai fait une petite ferme pour développer les PNJ. Voilà, là-bas, on en a plein. Tiens, d'ailleurs, je vais vous montrer en... Spectateur, mon corps est toujours là, attention. Hein. Voilà. Donc ils arrivent de par là. Voilà. Donc vous avez... Alors normalement les trappes ici sont fermées, comme ça il n'y a que les petits qui passent. Et les trappes du dessous sont ouvertes. Donc du coup en fait les petits ils tombent, ils grandissent et puis paf ils partent là-bas. Et eux là ils continuent à se reproduire. C'est incroyable hein. Oh, puis en plus, il y a Alps qui... en plus, il y a Alps qui me raide. Coucou, moi, Alpsounet.
Voilà, 90 de plus, allez, on n'est plus à ça près, voilà. Voilà. Mais bien sûr, bah bien sûr, Skep, bien sûr. C'est forcément des jambons. Évidemment. Voilà. Attendez, je reviens dans mon corps. Voilà, je reviens dans mon corps. Bon, j'espère que ton live t'a satisfait. Bon, le soulève, forcément, vu qu'il est sur Satisfactory. Coucou, Couchator! Et coucou tous ceux qui arrivent. Bienvenue, bienvenue, les amis. Pète, pète, pète. Ah oui, est-ce que ça a cuit, cette histoire? C'est en train. C'est en train de cuire. On ne savait pas quoi, on a juste le temps de faire un petit dodo. Tranquillou, schlac. Voilà. Ah, ça se passe bien, bon, c'est... Salut, monsieur Poulpi! Ouais, t'as vu, hein, on est en petit comité, on est en train de... Ah, c'est bien. Ça me fait rire. Alors, bon, on va déjà poser tout ça. À mon avis, avec tout ce qu'il y a de cuit là, on ne devrait pas être mal. Hein. Pour faire ce qu'on veut. Schlock, schlock. Allez, même encore un. Et puis, encore un qui est là. Mais bien sûr. Alors, on va se poser tout ça. Que je retrouve un peu mon or qui est là. Ok. C'est bien là. On va voir terminer tout le premier étage. Et ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt une bonne chose. Ok. Il restera juste les vitres à poser. Et on pourra fermer. Ah oui, non, non. Alors, évidemment, j'ai pas fait. L'intérieur n'est pas encore fait, hein, mais chaque chose en son temps. Je ferai un faux escalier. Mais en fait, dans l'entrée, on fera un escalier monumental. Hein, on fera un truc avec deux grosses montées comme ça, un truc machin, et paf, de l'autre côté. Ça va être un truc de dingue. Ça va être cool. Voilà. Ah, t'aimes bien, tu fais des sessions d'explo. Bah moi je l'ai fait, je fais ça, mais dans Starfield Explo. C'est vrai que le jeu Satisfactory, ouais, il est beau aussi. J'avoue que dans Starfield, il est pas mal non plus. Ah, alors attendez, F4. Là, l'avantage de pouvoir prendre du recul, ça c'est quand même trop génial. C'est que ici. Je ferme un cran en dessous, c'est-à-dire on va fermer là et après on aura juste des escaliers à mettre. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc du coup là on va boucher tout ça là, comme ça. Hop là. Ouais, ça c'est bon. Qui est ce vilain? Super ça, dis donc. Alors qui est ce vilain? Bien sûr, c'est des gentils vilains. Messire! Ah, merci à toi, Mikozotos, qui a ça pour son 23e mois, bientôt les 2 ans. C'est le mois prochain, ça sera ton anniversaire. Bah, c'est super. Merci à toi. C'est adorable. Donc là, on va être comme ça. Choc. Ok, c'est bon. Puis là, on n'aura plus qu'à boucher la partie qui est là. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas fini la partie là. Hop. Il y en a 4 à chaque fois, j'en avais assez. Oui, on en a récupéré pas mal. Hein. On a quand même récupéré pas mal de blocs. Donc, je pense qu'a priori, on sera. Okay. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il n'y a pas de trou-trou sur les côtés là. Si je me rappelle bien. Ça, c'est pas tellement logique. C'est forcément fermé ici. Ah, je sais plus comment j'ai géré le machin. Attendez. Comment j'ai géré le truc là? À mon avis, je pense que j'ai bouché avec du smousse. Me connaissant. Ah, tiens, d'ailleurs, j'en ai oublié une colonne là. Et à mon avis, j'ai dû boucher. Tiens, qu'est-ce que je te disais? On a bouché. J'ai fait un gros dégât à cet endroit-là. C'est logique d'ailleurs. C'est une belle échauguette. Donc du coup, on va y aller comme ça. On va se récupérer le bloc là. Merci madame. Au revoir madame. Nous allons boucher la partie qui est là. Ah, il en manque une. Ça y va. Hop. Ok. Et de toute façon, les blocs du dessus, ils vont être cachés par tout l'entourage de la tour qui est ici. Alors. Ok. Toc. Toc. Ça, on va pouvoir. Pouette, 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 pouette. Normalement, des escaliers
En smooth sandstone, il m'en reste. Ah, bien sûr. Qu'on va les mettre ici. Et là. Schlack. Schlack. On a mis du travail à la chaîne. Ok. Et là, je pense que j'ai mis dalle et bloc, à mon avis. Je pense, hein. Quel bonheur d'avoir le mode. Ouais, c'est ça. Bloc et dalle, ça fait bien affaire avec quelques barrières. Quel bonheur d'avoir ce mode spectateur, les amis, parce que je peux vous dire, quand vous êtes un builder dans Minecraft en vanilla et que vous avez une mémoire de poisson rouge comme moi, c'est compliqué. Salut Scorpion Noir et salut à ceux qui arrivent. Ah, parce qu'il y en a certains, hein, ils regardent un coup et ils s'en rappellent, ils te répètent le pattern 10 fois, n'est-ce pas, monsieur Alps? C'est un truc de fou, la mémoire qu'il a, c'est exceptionnel. Et puis, vous en avez d'autres qui galèrent pour se rappeler d'un truc, ils sont obligés d'y retourner 10 fois pour se dire « Comment j'ai fait, au fait ?» Je m'en rappelle plus. Ça, on va le mettre là. Chaque petite barrière comme ça, on est au même niveau, ça fait jaune. Voilà, c'est bien. Alors, on monte gentiment. Donc, on met bloc, bloc. Ici, on va voir choc, choc et choc. En tout cas, ça fait plaisir, hein, d'avoir un chat aussi sage, aussi gentil. C'est exceptionnel. C'est vrai, c'est vrai. C'est quand même tranquille. Comment dire, merci pour tous les follow, hein, en tout cas. Alors, faut dire que en général, les trolls, on les évite parce que comme je laisse 10 minutes... je laisse 10 minutes de rab avant que quelqu'un follow et qu'il puisse écrire. Ça, c'est volontaire parce que des fois, on avait... Ouais, qu'est-ce que tu fais sur Minecraft, le vieux, et tout ça. Des fois, on avait des petits trucs sympas, comme ça. Des gens qui venaient m'insulter gratuitement. Si c'est dingue, parce que les gens, ils me verraient dans la vraie vie, ils feraient pas ça, quoi. Ah, c'est pareil, toi, Valro, ouais. C'est pour ça, c'est quand même pratique. C'est quand même vachement pratique d'avoir... comment dire, un petit mode spectateur pour prendre du recul et tout ça. Après, attention, on pourrait presque cheater avec ce truc-là. Bon, après, il faut, comment dire, se rendre compte que après c'est plus drôle. Enfin, comment je pourrais expliquer ça? Quand vous cheatez dans un jeu, je trouve que le jeu n'a plus d'intérêt. Après, je sais pas comment expliquer. Moi, c'est ce que je ressens. Il n'y a plus du tout le même intérêt, plus du tout le même, la même joie de dire « Ouais, mais moi, je l'ai fait... à l'ancienne, en hardcore et sans machin et tout. Je suis un tatoué, un velu. Voilà. Mais bon, ça, avec l'âge, c'est facile de... Voilà. De se raisonner sur ce genre de truc. Voilà. Voilà. Oui, ouais, c'est ça, Baltani, bien sûr. Coucou, Matlinks, et coucou à tous ceux qui arrivent. Oui, sûr. De toute façon, Halloween ne vieillit pas. Il vintage, il level up. Ça, c'est une référence à ce qu'ils m'ont trollé la dernière fois en faisant des réflexions comme le karatéka, là, je sais plus comment il s'appelle. Trop de mémoire à la con. Je sais pas. Celui qui faisait Texas Ranger. Vous voyez tous de qui je veux parler. Hop. Tiens, un jaune pauvre. Alors. Bim. Et bim. Y'a personne qui s'en rappelle. C'est... Comme ça plaisir. Ah bah ouais. 72 ans, Chuck Berry. Chuck Norris, Chuck Berry. C'est un autre. Chuck Berry, c'est...
Je pourrais le faire à la guitare, mais. Personne ne se rappelle de Chuck Norris. C'est Chuck Norris qui se rappelle de. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça, Wonders, voilà, c'est ça. Il y en a plein des blagues avec lui, et j'avoue qu'il y en a pas mal qui sont rigolotes. Je me suis mis juste à ras comme ça des machins. Alors, d'où qu'il manque des carreaux, les amis, juste là, c'est tout. Et puis après, on est bon. C'est incroyable, ça. Ah, super, dis donc, ouais, incroyable. Bon, très bien. Et ben, let's go, on va mettre les carreaux pour finir le rez-de-chaussée. Ah, mais Chuck Berry, c'est valide quand même. Au niveau musical, c'est bon, hein, je valide. Tiens. C'est bizarre, je. Ah, si, white. Et 22 comme ça. On va se refaire un petit peu. Attendez. On va se refaire un petit peu. Pour l'instant, je vais remettre ça. Breu. Eh, j'avais fait le raccourci clavier, merci. Ok. Ouais. Right. Ouais. C'est pas très grave. Normalement, j'aime bien quand c'est bien rangé. À peu près comme ça. Ça fiche. Bon, allez, c'est bien. Ça ira. Et donc, au niveau des carreaux, il va me falloir des comme ça. Des comme ça. Pour les tâches, de toute façon, il m'en faudra encore pas mal. Les colorants, j'en ai un peu là. Ça, c'est du blanc. Du rouge, du saucisson. Donc, ça, c'est good. Donc, on va s'en faire un stack. Un stack de blanc. Attention, c'est que. J'ai failli faire la bêtise. Schlock. Ok. Et l'autre, c'est du jaune. Jaune. J'en ai que 5. Attendez, ça va être vite fait. Crotte de bitch. J'en ai que 5. Ça, c'est des sunflowers. Oh, vous allez voir la ruse, les amis. Vous n'allez pas en revenir. Allez, on va faire hop. Là-bas, on va se prendre un petit peu de bignou. Parce que les fleurs qui sont en double. Ok. Schlack, poudre de noces. Vite fait, bien fait. Bisous, Major. En tout cas, merci déjà non seulement d'être passé, puis merci pour tes dons. C'est super gentil. Et bon courage à toi si tu vas faire travailler des vlogs, que sais-je. Passe une bonne fin de journée, mon pépère. Donc du coup là on en a plein. Oh, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin juste de pas les blancs, les jaunes. Les pans, voilà, donc ça c'est parfait. On va arranger tout de suite les trucs qui nous ont kikine, c'est-à-dire ça et ça qui va là. Le blanc on peut le ranger. Tout ça c'est bon. Voilà. Puis on va directement se faire. Ils sont les vitres là, bim et bim, comme ça on va être large, hein. On va être tranquille pour un petit moment. Nous allons ranger le rab qui est là et qui est le rab là. Voilà, donc je prends des blancs parce que elle se voit, sinon ça serait transparent et ça ferait pas blanc, on verrait beaucoup moins bien, ça serait moins joli. Enfin, pour l'application que j'en ai, en tout cas, pour ça, en tout cas. Voilà. Ça va, je t'en poule peur. Voilà. Ah, Zlatan, c'est une personnalité, le gars. Il n'a pas toujours été forcément très sympa, mais je l'ai vu latter des gars. C'est un excellent footballeur, mais il a son caractère, le bétail. Hein. Pas trop le. Faut pas le chercher. J'ai cru qu'il en manquait là, des carreaux, mais non. Non, c'est bon, c'est super bon. Alors, les petits carreaux qui vont là, d'ailleurs, on va manger encore quelques carottes. Au moins une. Petite carotte en or qui sont très très bien.
Oui, on va monter avec ça tranquillou. Je vais commencer par le jaune en bas. C'est ça. Sur les coins. De là, tranquillou, bilou. Et c'est parti. On va se prendre un stack comme ça. Et on va le mettre là. Là, comme ça, c'est bien. Ok, on va mettre. One, two. Allez, travaille à la chaîne. Enfin, à la chaîne. Entre guillemets, bien sûr. Hop. Parce que les courants d'air, ça va à 2 minutes. Donc, on est là. Et ici. Et on est pas mal. Le jeu. Ok. Voilà. Mon stream, tout confondu, est bas en volume par rapport aux autres streams. Ouais, bah, c'est pas grave. Dans ce cas-là, il faudrait. Parce que, en fait, oui, il y a un truc à monter, mais je sais plus où. Mais c'est pas grave. Puis, en plus, je suis pas là pour casser les oreilles des gens. Et comme, en plus, des fois, ça peut m'arriver de. Ah! Donc, du coup, ça va. Tant que vous m'entendez, tout va bien. J'ai envie de dire. Ouais, c'est bien. De toute façon. L'idéal, c'est que c'est à vous de le monter au pire, tu vois, de le monter, de le descendre, voilà. Je vais pas aller chez vous pour régler votre volume perso. Voilà, comme ça, vous réglez le volume comme vous voulez. C'est bien. Alors, ça c'est bon. On va mettre ici, juste là, juste là. Mais c'est vrai qu'on me l'avait déjà dit que mon volume était plus bas que beaucoup de streamers. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Par contre, tous ceux qui font de l'ASMR, ils sont moins forts que moi. Beaucoup, beaucoup moins forts. Ok, mais tous les carreaux sont bons. Est-ce que ma guitare est un fusil? J'en sais rien. Bon, on va pas faire le plancher parce que c'est un peu rébarbatif à faire. Et pour vous, ça serait pas spécialement drôle que je me cogne tout un plancher, tout un plancher. Par contre, ce que je peux faire. C'est définir tout le contour qu'elle a peut-être je sais pas encore. De toute façon mon plancher sera ici forcément. J'aurai des blocs là sur le mur, ça c'est logique. Il y a des endroits où j'aurais pu boucher. Ouais, c'est pas le plus urgent. Non, là, par contre, on peut finir la partie arrière. Attendez. Ah oui, il y a ma tour que je voulais modifier. Et vous savez pas quoi? On va modifier la tour. On va se faire une jolie tour tout de suite. Comme ça sera fait. Voilà. Et merci pour les follow. Et merci également. Oh, dis donc. Hey. Docteur P qui nous a claqué. Le stack de sub. C'est bon, ça. Ah, t'es à fond, Colline. Rapproche-toi de tes. Voilà. Voilà. Ok. Voilà, salut à Alien Blood et salut à ceux qui sont arrivés. Les carreaux, je vais les ranger pour le moment. C'est pas là, bah justement. J'étais en avance mentalement sur le truc. Je me dis, c'est vrai, il faut que je remonte les trucs, mais non. Pas tout de suite. Pour le toit, on va ranger ça et ça. Voilà. Pour le bois, est-ce que j'en ai besoin tout de suite? Pas spécialement. Pour l'instant, pas besoin. On prendra après ce qu'on aura besoin. Ça, on va le ranger là en attendant. Voilà. Ça, j'en ai besoin éventuellement si je prends ça. Ah, mais c'est vrai, j'ai pas beaucoup de. I have not many food. Only 3 carottes en or. De toute façon, l'or, je sais pas si je vais en utiliser beaucoup. Ainsi, peut-être un peu à un moment donné pour faire certains décors à certains endroits. Ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on va se manger qui est bien. Bon, on a du pain et tout ça. Les patates, c'est pas mal. Ah bah tiens, on a des beefsteaks. On a des beefsteaks. Je vais me faire cuire un stack de patates. C'est pas mal les patates. Voilà. C'est bon les patates.
j'aime bien les patates. On va mettre un stack de patates. Ce qu'il y a du charbon. On va se récupérer ça. Tiens aussi. Et bim. Voilà, comme ça, le stack va cuire gentiment. On se récupère le résidu de machin qui est là. Que nous allons ranger dans le coffre adéquat. C'est-à-dire. C'est tout ce qui me reste là. Ça, je vais le mettre en dessous. Ici, ici, ici. Très, très, très bien. J'en ai plus d'autres de la smooth sandstone pour le moment. Non, mais c'est pas très important. Alors, on va rajouter. Alors, ce qui est embêtant, évidemment, c'est qu'il est en dessous. Donc, on va se prendre ça. Se prendre ça, ça. Et puis, déjà, avec ça, ça ira. Puisque je vais casser le toit, je vais le rehausser. Il n'est pas assez haut. Le toit n'est pas assez haut. Voilà, il est vraiment pas assez haut. Pourtant, j'avais fait des efforts, hein, mais non, il est pas assez haut. Ah. On va remonter. Il n'est pas assez effilé. Voilà. Non, c'est normal. C'est normal, sorcière. C'est parce que Twitch m'a mis sur sa page d'accueil. Oh, je suis sur la page d'accueil de Twitch. C'est trop bien. Voilà. Coucou Saruna et coucou à tous ceux qui arrivent. Hein. Ça va Zirk? Attends, j'ai pas lu tous les messages. Hein. Ça va pas ça? Je suis un peu de retard. Hein. J'ai un peu de retard, mais en même temps, c'est dur de tout suivre. Voilà. Très bien. Alors, c'est ce toit-là. Hop là. Qui est là. Que nous allons refaire autre. Alors le bas ça va, c'est dès qu'on commence à monter, ça va pas. Il est pas assez effilé à mon goût. Il a une jolie forme et tout, mais en fait par rapport au reste, par rapport à la hauteur où lui il monte, bah lui du coup il monte pas assez haut. Alors en fait vous voyez, ici là, j'aurais dû le faire monter plus haut. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pète le truc avant? Bon, on va péter ça. On va monter là, on va monter là. Toc toc. Je vais monter par là. Faire attention à ne pas se casser la marquette. Je vais monter par là. Ok, ici, ici. On va avoir tous ces trucs là à récupérer. Ok. Hop hop. Alors, attention, pas partout, parce que j'ai pas envie de paumer des trop de blocs. Ça, je pense que je vais pouvoir aller jusqu'en haut, sans problème, j'espère. Tout juste. Bah, tout juste dit. Ok. On va se refaire ça plus haut, plus effilé, la crotte. Hop. Il était pas mal, hein, mais en fait, c'est par rapport à l'autre toit. Il aurait fait un peu ridicule. Donc, du coup, faut pas hésiter. Comme c'est le premier, vaut mieux se rendre compte quand on a fait qu'un. Que quand tu les as fait tous, et que t'es obligé de te dire, surtout en survie, quoi. En disant, ah bah mince, ils sont un peu petits, mais toi, j'aurais dû les faire plus haut. Ah ouais, mais bon. Et après, quand on a 8, bah t'es plus motivé tellement, hein. C'est vrai. Donc là, on va se refaire ça propre tout de suite. Enfin, c'était propre, mais voilà, plus haut, plus effilé. Et puis c'est tout. Choc. Ok. C'est pas assez. Ok. Tu perds. Ok. Si, là, normalement, je peux monter là, sur l'escalier. Ah, on a perdu des blocs. Crotte de bitch. J'en ai pris d'autres, hein, donc normalement, ça va pas manquer. Oui, ça, c'était des blocs d'aide à la construction. Alors, à partir de où je le fais grimper plus? À partir de l'escalier. Ouais. À partir de l'escalier, on va le faire grimper plus. Donc je fais ça en sneak parce que sinon c'est un peu. Ah,
se retrouver en bas plus vite que prévu. Ok. Est-ce que je le casse? Évidemment, il fait nuit, sinon c'est pas drôle. Alors j'ai dit l'escalier. À partir de là, je vais le faire monter plus ici. Non. Allez. Est-ce que je peux récupérer des blocs éventuellement de dirt? Ça serait bien. Pop. On va se faire un petit dodo quand même, hein, pour éviter des problèmes. Il y en a qui ont essayé. Ils ont... Ok, donc j'ai dit que je cassais les escaliers qui étaient là. La dirt qui est là. Bim, bim. Ça aussi. Ok. On va se poser un lit. Gentiment. Et un petit dodo. Voilà. Non mais sans blague. Ça va, l'ami Sir Sam. Voilà. C'est une nouvelle. Celle-là, je l'ai commencé il y a quelques semaines parce que je suis mort honteusement. Je suis mort bêtement à cause du mode spectateur en plus. Parce que j'ai fait une ferme à raid et je me suis séparé de mon corps comme ça. Tu vois, donc là, j'ai mon corps qui est toujours là. Je me suis séparé de mon corps qui était toujours dans les couloirs de la ferme à raid pour voir qu'est-ce qui se passait au-dessus, au niveau du raid. Et quand je suis redescendu dans mon corps, il y avait un Vex. Il y avait un évocateur qui était là et tout. Et je me suis retrouvé avec des Vex autour de moi. J'ai pas pu les tuer. Je suis mort. Ah, j'étais vert. Ah, comment j'étais vert. Ouais, donc le mode spectateur, c'est bien, mais ça peut être extrêmement dangereux. Voilà. Alors là, on va mettre bloc direct, parce que là, j'ai dalle. Et là, on va mettre des blocs. J'ai combien ici? On a 1, 2, 3, 4, 5. On a 1 et 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Crotte. Ah bah, c'est pas grave. 1, 3, 4, 5, etc. Ouais. Je sais que Alps, il n'aime pas trop faire du 5-1. Est plus fan des 3-2-3-2. Bon, ça ira bien, ça fera bien l'affaire. Donc là, ça rentre dedans. Le toit, lui, il me dérange pas pour le moment. Et donc, à partir de là, est-ce que je le fais monter de 2 tout de suite? Oui. Donc, on va mettre ça et on va mettre des escaliers. Comme ça, il va monter plus haut tout de suite. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 ici. Techniquement, je suis censé avoir un bloc plein. Il y a un bloc en dessous, là. Il y a un bloc. Voilà. Ici, je vais avoir un bloc plein. Schlock. Ok. Donc là, on va avoir 5 de l'autre côté. Donc, techniquement, le toit qu'elle a ne devrait pas exister. On va le laisser pour le moment. Histoire de ne pas se paumer. Donc là, je vais mettre 5 escaliers. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, un bloc plein. Et 1. 3, 4, 5, et là, ici, un bloc plein. Restons là. Choc. Et puis derrière, normalement, j'ai 5 et un bloc plein, mais on n'a pas la place de le mettre. Donc, ça fera bien l'affaire. Voilà. Donc là, on est pas mal. Et donc là, par contre, il faut que j'arrive à passer en... C'est là où les Athéniens s'atteignirent. Donc là, il faut que je passe en 3. En 3-1. Sinon, ça va pas. Là, on va 1, 2, 3. Et 1. On va passer en 3-1 comme ça. Ce qui veut dire que... Ce qui veut dire que j'ai plus de dirt. Ça m'embête un peu. Oh, c'est pas grave, on va aller en chercher. Voilà. Est-ce que sinon ça va faire une cassure? Quand vous passez du 5-1, il y en a qui ont tendance à faire soit du 5-5, soit
du 3-2, mais en fait, ça va pas, ça fait pas beau. Puisque du 3-2, c'est comme si vous aviez du 5-1 au niveau diamètre. Je sais pas si c'est clair. Et très souvent, dans Minecraft, vous voyez des voies des gens qui ont fait des toits, mais ils sont pas complètement linéaires. En fait, des fois, vous avez une cassure à un endroit. Et c'est parce qu'en fait, on n'a pas respecté le nombre de... le nombre à chaque étage de ronds. Après, tout dépend si vous augmentez au fur et à mesure du nombre. Là, vous voyez, par exemple, j'étais à 2 blocs. Là, je vais passer à 3 blocs en hauteur, etc. etc. Oui, ça peut compter, Babax, c'est ça, le nombre de l'heure, le 307. C'est quoi que je veux, là ? Oui, de la dirt pour faire des blocs de support. Des blocs support ! Bim ! Voilà, là, on en a assez. Ouais, il y en a assez, la barbe. Allez, tac, tac, tac. Ok, ça c'est bon. Si je vais quand même. Pure Toto. Je vais quand même me reprendre un stack pour ça. Pour ce qu'il y a en haut. Et d'ailleurs, des barrières en fer, je vais m'en prendre un peu plus. Un petit peu plus. J'ai mon usine qui marche bien. Hein. Voilà. Qui est un peu plus loin. Petite usine à fer. Mais ça va bien. Coucou Tim. Voilà. Bon, au moins, si t'es bien rentré, c'est cool. Bon, c'était sympa, cette petite escapade à Beauvais. Alors, du coup, je remonte mon toit. Oula, 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 qu'est-ce que t'as, là ? Voilà. Bon, bah, c'est bien, alors. Si t'as apprécié, c'est le concept. Ok, ici... Oula, oula, oula. Attendez, je regarde un peu au niveau si ça va. Ouais, ça va aller. Ça fait quand même un petit chapeau, mais c'est bien. On a un petit chapeau là de rebord. Et puis là, le toit, il va monter beaucoup plus haut. Ça va être plus joli. Vous allez voir. Ça va, Dr. Jones ? Non, j'ai pas mis mon stream à l'envers. Le bon roi simple père a mis son petit stream à l'envers. Tchac, ça c'est bon. Ici. Voilà, donc ce que je vous parlais comme transition, c'est qu'en fait, là, il faut passer en 1, 2, 3, 1. Donc là, ici, on va mettre des dalles pour compenser. Et 1, 2, 3. Et là, on va avoir le 1 entre 2, ici. Ok. Donc là, 1, 2, 3, et hop. Hop, etc. Là, on va monter justement. C'est quoi ce bloc qui saoule ? C'est une dalle, je sais pas pourquoi j'ai une dalle à cet endroit-là. Là, j'ai bien 3. Donc, je vais avoir. Je vais récupérer ce bloc-là. Merci, madame. Enchanté. Ok, donc là, on va se mettre un bloc ici. Un bloc ici. Et. Et le bloc qui va être là, voilà, ça c'est bon. Touch. 1, 2, 3. Ok. 3. Ouais, là on est bon là. Du coup, je vais rajouter des blocs. Là, celui-là, il n'est pas bon, donc ça va, j'ai un support en dessous que je vais pouvoir récupérer. Ok. Je vais mettre un bloc comme ça là. Ça va aider. Donc là, j'ai bien mon trou qui est là. J'ai juste le bloc de dirt qui va être ici pour mettre ça là. Donc ce qu'on peut faire, alors après au choix, soit on met une barrière, soit alors qu'une barrière ça peut le faire aussi. Et dans ce cas-là, je suis obligé de boucher en dessous. Je suis obligé de boucher en dessous quand même tout ça. Je sais pas, allez, c'est pas gênant. On va mettre une barrière, ça va changer un peu. Je pense que ça fera une jolie transition avec une barrière. Comme ça. Tac, tac. Donc on va mettre des barrières juste là. Je sais pas où elles sont. Hop. Une petite barrière. Petite barrière comme ça. Ok. Et ici, bien sûr, on laisse pas de dirt apparente. Ça fera pas joli.
À l'intérieur, à la limite, on pourra les changer, mais voilà, barrière comme ça, ici, très très bien. Et donc là, comme j'ai dit qu'on montait de 3 pour cet étage-là, donc là, on va mettre, hop, hop, hop. Comme ça. Comme ça, et enfin, pour terminer, alors dans les coins, bien sûr, oui. Dans les coins, on aura ça. Et ici, on va mettre un escalier, comme ça. Oh là, c'est bien. Ok, ça va monter dru. Alors que je regarde la cohérence du biniou, pour le moment, on est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Alors, si je veux que ça monte droit, 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 il faudrait presque que je montre de 4 l'étage d'après. Sinon, ça va être du 3. Comme ça, ça va monter assez haut. Mais en vrai, c'est pas mal. On va voir. Je vais tester et puis on va voir si ça me choque pas trop. Si ça me choque pas trop, si ça va. 1, 3. J'irai 3. Ok. Après, on peut smooth avec des barrières, tout ça, hein, bien sûr. Je pense que c'est pas mal. Donc là, on va faire one. Ou alors, je rajoute escalier après. Oh, ça va faire bizarre si je fais ça. Pour que ça fasse moins carré. C'est une question de choix. À partir de là, je peux monter effectivement de 4. Ici et de 3 seulement sur les côtés, ça serait peut-être joli et éviter les escaliers qui vont faire des cassures. Donc là, j'ai 1, on va faire 2, 3, 4. Oups. Je pense que ça va pas faire trop mal comme ça. S'il est bon, attendez, si je joue à pas clair, déjà ça va pas. Pan, pan, pan. Allez. Allez. Alors ne faites pas ça chez vous, hein, c'est dangereux de dormir à 50 000 km du sol. Non mais même ne serait-ce qu'à 10 mètres. Bon là j'y suis à beaucoup plus de 10 mètres, mais il se verrait dangereux, donc be careful. Voilà. Tac, tac, tac. 1, 2, 3. Ok. Et ici, bim. Alors attention, ça va monter encore plus, encore plus. Donc on va faire hop, 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 puisque là logiquement ça monte à 5. Ça va commencer à le 5 au milieu. Là on va faire 1, 2, 3, 4 si ça passe. Ouais. Peut-être besoin d'effiler les coins, je vais voir. Attendez, je regarde si ça fait pas abuser. Ok, bon. En vrai, ça va. Je pourrais juste rajouter peut-être une petite barrière sur ces endroits-là pour que ça fasse plus joli. Mais en vrai, on est pas mal. Alors attention à ce que là, j'ai un truc particulier qui vient sur le toit. Que je vais incruster là-dessus. Alors, comment je le fais, le machin? Déjà, je vais rajouter 4 barrières. Je trouve que ça va faire joli, ça, là, comme ça. Tac. Tac. Et tac. Déjà, ça, c'est bien. Alors, ici, comment est-ce que je le fais, le machin qui vient par-dessus? Tiens, on va le faire avec ça. Paf, 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 paf. Et puis mettre des petites barrières. Ouais, parce qu'il dépasse un peu. C'est bizarre, hein. Je sais que c'est bizarre, mais... sur le truc que je prends... Quand je le fais poser là-dessus, ça va pas être bizarre. C'est pas mal comme ça, et puis
coup, je vais monter de 1. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire un truc comme ça. Comme ça. Tac, tac. J'en ai pas fait assez des bâtons, je vais en faire plus. Hop. Ça va, vous entendez quand même la musique ? Ah. Bon bah là on l'entend plus. Merci Mandrin, c'est super gentil. Alors merci déjà pour tes 100 bits et merci Mandrin pour tous les subs offerts. Il est trop gentil, cet homme-là, il est vraiment trop gentil. Salut Van Helsing, bienvenue à toi et bienvenue à tous ceux qui sont arrivés. Quelle musique. Ah merci Mandrin, t'es adorable. Trop gentil, Stone. Là, par contre, faut que ça grimpe. Hein. Donc, attendez, F4, que je regarde, hein, que ça soit bien logique. Regardez, ça a quand même une autre goule. Là, c'est quand même une autre tronche, là, quand même. Hein. Non, c'est pas mal. Donc là, on va la monter en vrai de... Je vais mettre 4 blocs, peut-être 4 blocs. Parce que après, je peux mettre 2 comme ça. Et après, je peux remettre 2 comme ça. Je pense que là, a priori, normalement, on ne devrait pas être trop mal. Hein. Ça n'existe pas, bien sûr. Aïe, à cogner. Je pense que c'est pas mal. C'est pas trop abusé, ça. Bon, c'est bien, hein. Pas belle la vitre. Bah si, c'est belle la vitre. Bon, bah si, c'est bien. Non, c'est bien. Bah voilà. Là, ça me plaît plus. Je paie mon impôt seigneurial. Voilà. La dîme et la gabelle. Merci beaucoup, le pognon du seigneur. Je te jure. En tout cas, c'est super gentil. Bon, si ça va bien. Vous voyez, je préfère, pour ceux qui se rappellent comment elle était, ben, je préfère maintenant. Elle monte plus haut, mais il y a une raison pour ça, c'est parce que, en fait, derrière, le toit, là, il va monter quand même jusqu'à là, ce toit-là. Hein. Et donc, ça faisait une tour avec un toit qui paraissait ridicule par rapport au toit de derrière. Ça allait, et bim ! Coucou ML, à son pépère ! Voilà, 26e mois de sub. Il est beau, ML. Bon, t'es chaud pour vendredi, mon ML, j'espère. À son pépère. On est dans la même équipe. Ça va être bien. En tout cas, merci pour ton sub. Oui, vendredi à 20h, les amis, il y a... Flamingo Island 2 à 20h, vendredi soir. Et donc, on joue en équipe. Moi, je serai avec ML, avec Votan et avec Mayuko. Voilà, et on combattra d'autres équipes, dont une avec Gus DX. Il y a même I Play For You, j'ai vu, qui jouait aussi, que je regardais il y a très longtemps. Ah ouais, Choupatata, t'avais oublié. Oh, purée. Il y a un mode pack à mettre et tout, mais bon, je pense que toi, t'auras pas trop de soucis. Ok, bon, en tout cas, au niveau de la tour, moi, je dis c'est valide. Ça me plaît plutôt bien. Et d'ailleurs, pendant que j'ai à peu près le truc en tête, grosso modo, on va faire tout de suite l'autre. Comme ça, ça sera fait. Ça sera fait. Ok, ok. Tiens, d'ailleurs, il manque des escaliers, là. On va mettre de suite. Schlac, schlac, schlac et schlac. Comme ça. Voilà. C'est bien. Alors, on passe de l'autre côté du châtal. Un châtal. Des châteaux. Ok. Pim, pim, pim. T'énerve pas. J'ai failli trop m'énerver là, t'as vu ? C'est, en général, ça porte pas bonheur. Hein. Donc là, ici, c'est les dalles qui font du 2-2. Donc ça, c'est bon, on va passer en 5-1 comme on a fait tout à l'heure. Pour passer en 5-1, j'ai besoin d'un truc comme ça, ici, qu'on va mettre là, en support. Le 1 qui va être ici, ok, et là qui va être ici. Donc, nous allons monter direct avec des blocs que nous allons mettre là. Merci Mandrin qui a fait un sub à Mélanie, mais c'est trop gentil.
Merci, ami Mandrin. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça, c'est bon. Donc là, on a le 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Alors là, j'ai pas mis les blocs support. Donc ça va être plus dur. On va remettre ici 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, par contre, en dessous, il faut que je mette. Où est-ce que je vais les mettre? Charal. Mettre comme ça. J'aurais pu le mettre dans l'autre sens. Et bon, ça va aussi comme ça. Ok. Là, on va voir. J'ai mes 5. Hein. Le 1 qui va être là. Et 1, 2, 3, 4, 5. Ça va peut-être disparaître après, mais au moins. Là, comme ça, il est mis. Ça, c'est bien. Et paf. Et pan. Voilà, c'est bien. Quand tu me diras, j'ai pas fait mon autre toit, mais il rentrera là-dedans. Donc on verra bien. Alors là, F4, que je me rappelle, donc je suis monté. J'ai mis escalier. Ah oui, bloc. Et là, j'ai mis les trucs comme ça, donc c'est bon. Okay. Donc là, on va mettre juste un bloc sur les coins. Tac, et des escaliers. Oh, dis donc, j'en ai pas pris tant que ça, hein, des machins, surtout que j'en ai beaucoup. C'est pas grave. Faire ça, on va faire ça, ça. Et bon, on récupère ça de suite. 1, 2, 3, 4, 5. T'as vu, je compte bien. La hache, en vrai, je vais pas en avoir besoin. Ok. Alors là, par contre, je vais tomber dans l'autre toit qui va être comme ça. Comme ça. Là, je vais avoir l'escalier qui va repartir par là-bas. Bim, bim, bim. Ok. Donc, du coup, les blocs qui sont là n'existent pas. Et après, je vais avoir l'autre escalier. Alors, attendez. Hein. Après, je vais avoir ça. Donc, je vais avoir des blocs pleins qui vont être là. Qui vont retrouver l'autre toit qui est là. Voilà, on s'en fiche un peu. Et avec escalier qui va être là. Ok. C'est pour éviter de mettre des tas de blocs pour rien. Ouais, bien sûr. Ok, ok. Donc là, on va mettre les potos escaliers qui vont ici. 2, 3, 4, 5. Un bloc plein. Et re-escalier. 2, 3, 4, 5. Oh, et et tu vas être comme ça. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, avec mes blocs support, on va mettre dans les coins. Ah bah non, je peux mettre des blocs pleins direct. Sauf que si j'ai des dalles, ouais, mais j'en ai pas tellement. Donc on va mettre blocs pleins. Blocs pleins. Ici. Et donc, qu'on fasse pas des bêtises, parce que là je vais passer sur du 3-1. Donc on va mettre juste un bloc là en support. Et comme on voit que dalle, n'est-ce pas chers amis, eh ben on va faire un petit dodo réparateur. Et surtout bien au niveau de la lumière. Ah. Ça va être bien. Schlack, schlack. Voilà, allez, bienvenue à ceux qui sont arrivés entre temps. Salut Nazulo. Nazulo, pardon. Ah oui, oui, d'accord, oui, t'es sur YouTube. Après, je t'avoue qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent. Donc, et en plus, j'ai pas spécialement une mémoire de fou. Donc, faut pas s'en offusquer, mais je retiens pas forcément tout ce que les gens me disent. C'est, voilà. Alors, attendez, on va mettre les deux blocs, là, comme ça, ici. Comme ça, ici, on peut remettre directement... ceci est une erreur. Attendez. Là, j'ai bien les trois là. J'ai les deux là. Là, logiquement, j'ai les trois là. Ok. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est moi qui délire. Donc, barrière, barrière, on est bon. Donc, un bloc qui va juste derrière ici. Puisqu'on passe en 3-1. Et donc, 1, 2, 3. Donc là, je vais avoir bim. Bim, celui-là,
pas bon, pas bien. Tac, tac. Bloc ici au point. Donc là, on a bien les du 3-1 comme ça. Et là, on repart sur 3. Et 3. Et 3. Et 1. Comme ça, ça c'est bon. Et ici. Et merci beaucoup, Sagittarius, qui a reçu pour son 59e mois. C'est pas beau, ça. Salut, salut, Pat le retour. Et salut à ceux qui sont en train d'arriver. Alors. Ah bah oui, Couchator, si c'est quelque chose qui rend les gens beaux, avec grand plaisir. Contraire. Je regarde juste. Là, j'ai bien mis deux blocs plus un escalier. Très, très bien. Donc là, on a dit deux blocs plus un escalier, c'est-à-dire deux blocs. Hop, 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 hop. Hop. Comme ceci. Et comme cela. Voilà. Donc du coup, là, escalier. 1, 2, 3. Donc dans les coins, évidemment, on ne met pas d'escalier. Ça va pas. Quoique avec le... En vrai, avec le debug stick, je pourrais le faire. Alors normalement, petite précision à ceux qui découvrent. Hein, normalement, le debug stick, on ne peut pas l'avoir en survie. Sauf si vous avez un petit mode... donc il y a Loxos qu'on avait fait un, là c'est Galatil qui me l'a fait, mais vous pouvez trouver ce petit mode assez facilement, et c'est quand même joli, moi je m'en sers beaucoup pour faire des décors, je m'en sers uniquement pour ça, mais pour faire par exemple ce genre de choses. Oh c'est beau hein, et je m'en sers aussi pour la terracotta, en fait vous avez vu j'ai juste séparé les trucs. Et pour la terracotta, pour les mettre bien dans le bon sens, que je galère toujours à savoir dans quel sens tu dois te tourner pour mettre le truc comme tu veux. Et à force de péter les plombs, je préfère payer un lingot de nésorite. Parce que le mien, il m'a coûté un lingot de nésorite plus sur un stick. Hein, donc voilà. Et tu peux faire des trucs bien cool avec, avec ça. Donc ça, c'est OK. Ça, c'est OK. Alors du coup, maintenant, c'est là que ça commence à monter. Puisque là, on monte de 3 plus 1. Hein. 1, 2, 3, plus 1, c'est ça, et plus la barrière. J'avais pas mis rien, là, non, moi, je suis bien comme ça. Ouais, je suis bien, je suis bien, je suis bien, on va laisser comme ça, si ça va. Si ça va, ben ça va. Ok, donc là, on va monter 3 plus 1. Voilà, et si t'en as un de trop, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, t'en pousses 1. Faites pas attention. J'ai raconté ça à ma belle-mère hier, elle a pas réussi à comprendre, elle a pas compris. C'est pas grave. J'ai dit, écoutez, c'est pas grave. Comment je suis monté, moi, là, par là? Je suis monté par là. Ça fait un peu haut, là, quand même. Ah, attendez, pas faire trop les kékés. J'ai beau avoir des feather falling, on va pas non plus prendre trop de risques. Puis en plus, ça abîme les bottes, ça les raye et tout. Hein. Eh, tout le monde n'a pas des pompes en netherite, hein. Surtout qu'avant, c'était des pompes en diams. C'est nouveau, ça, maintenant, au niveau des freins. T'imagines la mode plus tard dans Paris. Ouais. J'ai des pompes en diamant, un costard en saumon fumé. Bonjour, bonjour. Et c'est bien. Miam, 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 miam. Bon, bah c'est bon, ça va, Rockmout. Qu'est-ce que je voulais? Qui s'en rappelle? Tiens, je vais manger une carotte. Ah oui, des blocs, j'en ai pas assez. Coucou, Ringo! Oui, oui, on a du monde parce que je suis sur la page d'accueil de Twitch. Et du coup, les gens, ils voient, oh, Minecraft, oh, il construit un château survie. Et en plus, en mode hardcore, il n'a pas le droit de mourir. Oh, oh, pourvu qu'il meure. Allons, on va les voir. Je le sais, parce que moi, j'aime bien regarder des gens qui jouent en hardcore. Et secrètement, se dire, là, là, peut-être qu'on va être là quand il va mourir et tout, ça va être le drama. Bon, j'espère que tu vas bien, en tout cas. Et que la vie est belle et tout ça. Voilà.
Ok. Alors pour ceux qui connaissent pas le Gringo, c'est un super builder aussi, hein, bien sûr. Très très bon builder. Le core bloc aussi, bah tiens. J'espère que tu vas bien. Et bienvenue à ceux qui sont arrivés entre temps, bien sûr. Welcome, welcome. Ok. Donc là, c'est bon, ça c'est bon, des blocs, là j'en ai assez, hein. À mon avis, on est pas mal. Purée. Tu vois, là, pour le coup, les échafaudages ont un intérêt. Vous voyez, moi, je suis pas pro des échafaudages, hein. Je suis pas fan, je veux dire. Mais quand tu dois les laisser à un endroit, que t'as pas fait d'escalier et tout, que tu dois monter, descendre, j'avoue, pour le coup, c'est pratique. Voilà. Sinon, en fait, quand tu dois, tu sais, t'es à un endroit, tu dois aller là-bas, tu fais ça avec tes échafaudages, tu peux pas te mettre en sneak... tu tombes, tu sais pas pourquoi, voilà, là, je suis plus adepte de la dirt. Mais là, pour le... Là, on s'en sort quand même pas trop mal, hein. Ça va. Tiens, d'ailleurs, je fais comme ça ici. Je vais la recasser derrière, parce que sinon, elle va rester accrochée là, je le sais. Je vais me dire, moi, j'ai oublié, dis donc. Comment je remonte, moi, dis donc. Allez, on va casser ça. Elle a volé mon escalier. Oh là là, ça. Donc ça c'est bon. Ah oui, et à partir de là, effectivement, on monte juste ça. One, two, three. Ok. Comme ça. D'ailleurs, on va monter par là. Hein. J'aurais pu monter un peu. Hop. Ok. Hop, hop, hop. Autant que la forme me plaît, moi. C'est bon, donc là on va rajouter un petit bloc ici. Si mes souvenirs sont exacts, j'avais même rajouté une petite barrière. Parce qu'on est des fous. Je crois que j'aurais même rajouté une petite barrière pour smooth un peu le truc du dessus. Là. Là, là. Là, là. Voilà, donc là on est bon. Et là. Donc là, logiquement... Là, je monte bêtement. Ça, 1, 2, 3, 4 blocs. Plus 1. Voilà. À partir de là. Je crois bien. Attendez, j'ai un doute. Le doute m'habite. Du coup, tant que je dise pas de bêtises, hein. Partir. Oui, c'est ça. C'est à partir de 1, 2, 3 et 4. Et plus 1, donc j'ai deux au-dessus de la barrière. Hein. Attends, j'ai bien deux au-dessus de ma barrière là. Oui, c'est bon. Pas que je fasse trop le kéké là, parce que là, la terre est basse, les amis. Donc plus 1. Là. Voilà, donc là, j'ai mis de la sandstone. Ici, 1, 2, 3, 4. J'ai dû mettre des barrières autour de la sandstone, je crois bien. Qui sont là. 1, 2, 3 et 4 ici, bien sûr. J'ai dû mettre des barrières au-dessus, mais combien? Bien, j'en ai mis au-dessus. Juste un bridou. Juste un bridou. Ok, bah juste un bridou. Tac, tac, tac et tac. Ensuite, je suis monté de combien? Beaucoup. Je suis monté de beaucoup. 1, 2, 3, 4 et 5 blocs en comptant ça. Ok. Donc on va dire 1, 2, 3, 4, 5. Deux barrières. 1, 2. Comme on n'est pas assez grand, on va en mettre un. Ça. Et deux barrières en fer. Et normalement, si tout va bien. Voilà, c'est pas les points les plus hauts. Hein. Là, je peux vous dire que la tour centrale, elle va rigoler zéro. Hein. Vérification avant de descendre quand même complètement, mais là normalement je pense que on a l'air d'être bon. Ouais, on dirait qu'on est bon. On est super bon, on est super bon. Salut Marcoro, bienvenue. Ouais, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir quand quand Twitch te met en avant, c'est quand même cool. Ça fait bien plaisir. Oh là là. Oh là là.
Alors par contre, c'est vrai que j'ai pas pensé à l'éclairage. Bon, en même temps, là, s'il y a des creepers, ils vont s'en rappeler longtemps, les bétails. Hein, je pense. Je crois. Est-ce que j'ai fini mon toit des deux côtés? Non, pas du tout. Absolument pas. D'ailleurs... Ah oui! Bon, bah d'ailleurs, j'avais défini que j'avais des fenêtres ici, qui étaient au milieu du reste. C'est ça. Attendez, hein, je regarde... je passe du Coca-Light. 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 Salut Pegasus. Miam 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 miam. Ok. Donc on est pas mal. Là je mettrais juste une fenêtre là. Là on va se faire quand même une fenêtre magistrale quand même. On va faire une jolie fenêtre ici quand même. Donc il est où mon lit? Mon lit est là. On va se reprendre un peu de matos. D'ailleurs c'est pas quoi. On va dormir là, parce que ça, c'est un lit de camp que j'ai sur moi. On va dormir dans mon vrai lit. Enfin, c'est qu'un lit provisoire à la cave. Mais quand même, tant que le château n'est pas terminé, où là, j'aurai un lit de 6 mètres sur 12, bien sûr. Mais pour l'instant, ça fera bien l'affaire. Salut, Baby Bidou. Ah, c'est gentil. Je suis, tu mérites tous d'avoir une adolescence jouée de peau. Attends, je m'occupe de Messire Zombie. Zombie Scotto. Ouais, bon, je peux regarder ça, s'en fiche. Très heureux de tomber sur un tel live au hasard. Merci Twitch. Bah, tu vois comme quoi. Ça va, mon bada? À son pépère. Hop. C'est marrant parce que souvent il y en a qui me le disent. Ouah, je te regardais quand j'étais petit et tout ça et tout. Bon, après, il y en a qui étaient juste, oui, ado, etc. Bah, c'est vrai, et rien que sur YouTube, ça fait. Sur YouTube, ça doit faire 11 ou 12 ans. Je sais plus. 11 ou 12 ans à peu près que j'ai fait des vidéos sur YouTube. Oh, oui, ça va bien, ça. Ça va fort. C'est dommage que t'es pas en live, je t'ai envoyé 2400 personnes. Après. Oui, Skem, je sais, tu me regardais quand t'étais petit. Mais t'es toujours petit. Alors, c'est pour la peine. Tagadagada, tata. La PLS. Oh, c'est bien, c'est bien. Alors, par contre. Si je fais l'autre côté, j'ai intérêt. Attendez, qu'on fasse un regroupage là. Ah, j'ai parmi les birch traps d'or. Non, bah en fait, il n'y avait pas besoin. Je m'en étais servi pour boucher des trous, je ne sais plus quel endroit. Mais en fait, comme ça, c'est bien. C'est bien comme ça. Bah, non. Ah ouais, c'est. Ah ouais, c'est bien. Allez, c'est bien. On aurait pu sinon faire une petite forme à un endroit, mais non, mais c'est bien. On va pas se prendre la tête. Voilà, j'ai gagné des trappes d'or. Et puis c'est tout. En birch. D'ailleurs, qui sont qu'on va mettre là de ce pas. Ici, ici, ici. Donc, pour l'arrière, je vais avoir besoin. Je vais quand même besoin un petit peu de bois comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire comme couleur? De toute façon, bon, en couleur, on va prendre forcément de la sandstone. Je vais me prendre ça, je vais me prendre ça. On essaie de se faire une fenêtre quand même jolie. Disons, quand même. Une jolie fenêtre. Parce que c'est quand même une fenêtre d'apparat. Ça sera pas la tour. Parce qu'au-dessus, on a la tour, mais ça sera quand même sympa d'avoir un truc cool. Je suis en train de voir. Voilà, je sais qu'est-ce que c'est qui m'embête. Alors déjà, là j'ai des beefsteaks. Donc les carottes en or, en vrai, je peux les ranger là. Bim. J'aurais préféré qu'elles soient avec des autres carottes. Alors, hop. Hop. Et hop. Voilà, ça c'est pas bon. Ça on va le mettre là et puis c'est tout. Voilà, les carottes groupirent. Pire les carottes, puisque de toute façon j'ai des beefsteaks. Donc les trucs de zombies, ça on n'en veut pas. Hein. On n'a pas besoin.
Et déjà, ça fait de la place en plus. C'est très bien. Je vais me prendre un peu plus de ça pour simuler le début du toit. J'aime bien avoir une place dans mon inventaire pour les aléas. Est-ce que j'ai assez de blocs? Pas tel, en fait. J'ai pas assez, j'ai pas beaucoup de blocs comme ça. Je vais me reprendre ça. Ça, je vais le mettre là. Il y a quelques escaliers, quelques machins, là, tiens. Ça. Allez, c'est bien. Allez, c'est bien. C'est bien. Alors, une jolie fenêtre. Il fait nuit, j'ai oublié. Tiens, dans mon lit. Voilà, là, les draps sont propres et tout. On en profite. Oh non, j'ai pas du tout fini Jérusalem. Salut TNS. 2400 viewers. Eh ben juste parce que... je suis sur la page d'accueil de Twitch. Et donc, les gens viennent plus facilement. Ou il y en a peut-être qui connaissaient pas forcément ce que je faisais sur Minecraft. Et du coup, qui venaient voir, qui font « Ah, bah c'est cool !» Et tout. Quoi, on peut faire des trucs sympas. En survie, tu vois. On a fait pire, hein. On a fait pire sur les Holicubes et tout ça, ou d'autres mondes solo en hardcore où je faisais des... J'ai fait des châteaux plus médiévaux et tout, là c'est un château style Renaissance. J'avais envie de changer un petit peu de style et puis c'est sympa. Alors faut qu'on regrimpe, oh, qu'est-ce que c'est? J'ai vu un truc là-haut passer. Ah non. C'est trop drôle. En fait j'ai une petite tache sur mon écran, très légère, hein. Mais quand j'ai reculé... Du coup, j'ai cru que c'était un truc qui avançait dans les airs dans Minecraft. C'est dans le jeu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Allez. Et bim, comme ça on remonte. Bon, il va y avoir à l'intérieur qui va être à faire aussi, qui va être rigolo, mais pour l'instant, je suis plus sur l'architecture. L'architecture extérieure. Alors là, attention, faut que ça soit quand même une fenêtre de chez fenêtre. Hein. C'est pas quoi, on va faire la taille de celle-là. Pour se rendre compte, parce que celle qui est là, elle va être à peu près semblable à celle-là au niveau hauteur en tout cas. Sauf que là, j'ai 3. Est-ce que je lui fais un contour? Je peux même me permettre de faire un contour de 5 en fait. On peut l'élargir un peu, la fenêtre qui est là. Par contre, au niveau hauteur, ouais, faut qu'on garde à peu près cette hauteur-là, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6, c'est pas mal. On peut éventuellement monter à 7, mais pas trop quand même. Alors, on va faire ça pour pouvoir grimper fastoche dessus. Ok. Là, j'aurais forcément les petits escaliers. Il y en a plus des escaliers, bon, c'est pas grave. Qui cacheront ça devant. Et donc, voilà, ça sera caché comme ici. Hein. Okay. Et donc, par contre, là-dessus, ouais, ben, en fait, on va le faire plus large. Ah, mais si je fais plus large ici, j'aurai 3 là. Là, j'aurai 3, mais faut pas que je fasse en 5, ça va être trop grand. Hein. Quoique. C'est qu'une fenêtre. Quand même. Bon, après, je peux mettre des igloos autour. On peut faire un truc un peu rigolo. Quel style je vais faire avec baroque et puis... Si on peut faire une fenêtre un petit peu badass. Je réfléchis, hein, les amis, je suis en train de... Ça fume, c'est en train de fumer là-dedans. Ouais, non, on va pas trop pousser mémé. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, ici, on va dire qu'on va monter de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ça fait déjà pas mal, hein. Déjà, là, je suis au-dessus de ça. Et si je mets, admettons, des escaliers... Est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah, j'avais enlevé mes shaders? Non. Non, j'ai reloadé les shaders. Bon, j'ai appuyé sur un truc qu'il fallait pas encore. Ouais, on va peut-être pas trop pousser mémé.
En fait, ça sera une fenêtre porte-fenêtre. C'est dingue, hein. T'as vu? Ok. Donc là, évidemment, j'ai pas de lumière par là. Oh, mais tu es fou, dis. Il y a des lumières, là. Ça. En attendant. Il est où? Ok. Je vais être là. Tchac. Tchac. Alors, quelle hauteur? That is a good question. Déjà, si ça arrive ici, ça va monter comme ça. Est-ce que je le reculerai? Non, il faut pas le reculer d'un cran, ça ferait bizarre. Je peux mettre un bloc devant. Est-ce que j'ai de la cut sandstone? Non. Là, j'en ai. Paf, paf et paf. Alors, excusez-moi, je suis un petit peu dans mon truc, là. Je suis obligé de... Voilà, faut quand même que je regarde un petit peu. Oh, mais non, tout le monde est calme. C'est bien. The rest. Ah, ouais. À défaut d'être grand-père, parce que, a priori, je suis mal barré pour être grand-père. Puisque mes filles ne veulent pas d'enfants. Vilaines. Du coup, voilà, moi, je veux bien être le pépé à tout. Non, y a pas de problème. Combien je suis monté, là? Je suis monté 6 plus 1. Il y a une ouverture de 7. Faut pas abuser au niveau de l'ouverture. Au niveau de l'ouverture, en vrai, je vais monter peut-être de... À partir de là. 2 de plus, en vrai, c'est bien. Sauf si je commence à monter au même endroit. Ah, en fait, si je commence à monter au même endroit, c'est-à-dire que là... Bon, attendez, vous allez voir. Ça va être logique, en fait. On va faire ça d'une façon logique. Donc là, si je monte, je vais faire... Tac, F4. Je me repère, mon escalier, il est à cet endroit-là. Donc ici, je peux très bien voir l'escalier à cet endroit-là, là. Pas là. Et fou, Afleu. Ici. Choc. Donc déjà, à cet endroit-là, ça veut dire que là, on va monter en mode gentil. On va monter en mode gentil avec des trucs comme ça par là. Ouais, on va faire un truc dans ce style. Et donc ici, je pourrais avoir un décor un peu baroque. De l'art baroque fait par des artisans baroquins. N'importe quoi. Combien j'en fais? Est-ce que je fais gros, pas gros? Pas trop gros quand même. Pas trop. Je vais voir après. Je vais faire déjà ma forme principale et puis on verra après pour les zigzags et les contours. Ok. Là, on va monter gentiment. Je crois que j'ai... Hey, par rapport au nombre de gens qui regardent, je crois que j'ai le chat le plus calme qui soit. C'est un truc de fou, en vrai. Et je m'en plains pas, mais Modo non plus. Non, ça c'est pas good, pas good, pas good, pas good. Ici on va être sur des escaliers que je n'ai plus. Par contre, heureusement, j'ai mon stone cutter qui est là. Schlack. Que nous allons mettre là. Là, je vais me prendre quelques escaliers comme ceci. Très très bien. On récupère le stone cutter. Merci madame. On pose notre lit parce que nous on aime bien construire quand il fait jour. Et sans les creepers, bien sûr. Ah, une révolution est vite arrivée. Ouais, on fait attention, Tout le monde regarde en mangeant. Ah oui, c'est possible aussi. C'est tout à fait exact. Voilà. Alors, ils sont terrorisés par mes modos. Genre, attention, les modos à Rouen-Louis, ils rigolent zéro. Oulala. Non, ils sont gentils, mais bon. J'ai gentiment. Sauf si on les énerve, bien sûr. Ça, c'est comme tout le monde. Pouette. Pour le reste, on va voir. Alors déjà, la forme, est-ce que la forme me plaît? D'une manière générale, pour l'instant, we are not bad. J'aurais pu le faire monter un peu plus. En vrai.
Après ça fait un peu trop mal. Ouais non, c'est bien. Comme ça, on est pas mal. Par contre, sur le décor extérieur, je peux faire un petit décor extérieur. Vous voyez, parce que là, par exemple, je suis monté de 2 en 2. Ça fait pas mal, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Par contre, au niveau de l'ouverture, j'ai même fait plus petit. J'ai même fait pas si grand que ça, mais il faut qu'on ait les barreaux qui passent. Ouais, ça va aller. Ouais, ça va aller, ça va aller. Par contre, pour les décors au-dessus, je vais avoir le toit qui va venir juste là. En fait, il faudrait que j'avance un peu le toit pour me rendre compte. Mais je pense qu'on va pas trop abuser sur les trucs, sauf peut-être un petit peu sur celui qui est là. Est-ce que je le montrerai pas d'un cran? Attendez, je réfléchis. Hein. Parce que je vais avoir un décor là qui va reprendre avec du bois la façade avant qui va être là, ça va être joli. J'en ai du bois sur moi, non? Ça va, on a du temps. Vous allez voir ce que je veux dire. C'est vrai que là, j'aurais les élytras. En vrai, j'aurais fait le dragon. J'aurais gagné du temps de ouf. Mais ce n'est pas le cas. J'ai pas encore fait le dragon. J'ai pas pris le temps de le faire. D'ailleurs, j'ai même pas de totem. Vous avez vu, hein, je fais tout en mode YOLO. J'ai même pas fait de raid non plus. Il va falloir que je m'y attelle parce qu'un totem, c'est quand même bien pratique. Salut Magic 7. Ouais, ça va bien. Ah, tu vas jouer à un jeu qui fait peur, mais c'est pas bon pour le cœur, je te l'ai déjà dit, ça, Dr. Jones. Moi, je fais pas de jeux qui font peur, parce que... Même des fois, j'ai regardé une fois, ils jouaient à quoi? Ils disaient qu'ils jouaient à Phasmophobia, hein, je crois, ou je sais plus quel jeu. Et j'étais là, j'ai fait des bons, et en fait, j'ai zappé, parce que ça me faisait trop flipper. Et moi, j'évite les... Comme moi, je suis cardiaque aussi, hein, donc on évite les bêtises. Oui, je voulais du bois, les amis. Du bois. Donc, on va prendre un peu de ça. Et puis, un peu de ça, si j'ai la place. Bien sûr que non, j'ai plus la place. Pourquoi? Parce que j'ai de la dirt qui m'enquiquine. Voilà. Qu'on va ranger de ce pas là. Est-ce que j'ai besoin encore de dalles? Non. Normalement, j'ai pas besoin de dalles. Choc. Est-ce que j'ai besoin de ça? Normalement, j'en ai pas besoin non plus. Est-ce que j'ai besoin de ça? Oui, ça, je vais en avoir besoin. D'ailleurs, j'aurais pu groupir ces blocs-là, ça aurait été bien. Et du coup, prendre un peu plus de blocs. Comme ça. Choc. Oh là là, on est pas mal. Alors merci à tous les follow, il y a beaucoup de follow, mais c'est logique en même temps. Et merci beaucoup également à Hectarus qui a reçu pour son 60e mois de sub. Oh c'est beau ça. Coucou Jean-Vol. Comment ça va Jean-Vol? Ah, ça fait un moment que je t'ai pas vu, ça me fait plaisir. J'espère que tu vas bien. Les épopées incroyables sur Trackmania. Tu sais que tous les vendredis, nous, on joue au nouveau Trackmania tous les vendredis soirs. On se marre bien, c'est sympa. Voilà. En tout cas, merci Actarus, un gros bisou à toi et bravo. Parce que 60 mois, si je ne m'abuse, ça fait 2 ans. Ça fait 5 ans. Oh, c'est dingue. Joyeux anniversaire. Ça va bien, merci. Okay, super. Allez. Hop. Et hop. Voilà, là on est en train de faire une fenêtre de ouf qui sera là. Ça c'est sur l'arrière du château. Et en fait ce que je voulais faire devant c'est ça. Je ferai des petits décors après. Et en fait ce que je veux faire là, on va se mettre comme ça. On va monter quelques trucs ici. Évidemment j'en ai plus. C'est pas drôle, bien sûr. On va s'en faire un petit peu. Touch. Voilà. C'est bien. On va faire aussi des petits décors sur les côtés. J'ai des barreaux en fer, ouais, très bien. Salut, J-Panda, bienvenue à toi. Voilà. Donc ici. Ici, on va monter comme ça pour donner des petits reliefs qui vont être cool.
Vous allez voir. Donc là, il faut que je parte. On va partir, admettons, ici. Ouais, si je fais partir de là, ça va pas être mal. Si je mets un escalier dans ce sens-là, ouais, on verra le petit décor derrière, mais c'est pas gênant en vrai. C'est pas gênant, c'est même plutôt pas mal. Il en manque une là ? Ouais, il en manque une. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite. Ensuite, ah bah, je suis obligé de me mettre dessus d'ailleurs. Donc on va prendre de la hauteur. Et on va prendre les blocs de bois de birch pour les petits décors devant, c'est-à-dire ici comme ça. Ok, oui. Et là, on va se mettre devant pour faire touch. Je suis même pas obligé forcément de faire celui du dessous. Voilà, j'étais obligé pour la jonction, mais je peux mettre juste là, admettons. Et un truc, admettons, dans ce style. Je pense que si on fait un truc comme ça, c'est pas trop mal. Parce que de toute façon, derrière, je vais avoir d'autres trucs. Voilà, on va mettre ça là. Bon, bah là, je suis obligé de mettre celui du dessous, je suis obligé. Sinon, ça va faire tout bizarre. Hop, voilà. Ce que je vais chercher à voir, c'est un décor un peu baroque. Puisque le château, il est... Renaissance, donc il y a quand même des décors un petit peu baroque dessus. Donc là, on va faire un truc tout bête. On va pas se prendre la tête. Hein. Voilà, un petit carré comme ça, un petit truc comme ça. Ça. Et puis au-dessus, on va mettre deux petits trucs en fer. Et puis il sera content, Roscoe. On aurait pu faire plus gros, mais je veux pas abuser. Des trucs comme ça, ça fait un peu gros pour l'endroit qu'est là. Hop là. Ça, c'est bon. Je pense que ça, c'est pas mal comme décor. On va prendre un peu de recul pour regarder. F4. C'est bien. Là, je vais rajouter aussi deux petits trucs en fer, là. Et puis, roule ma poule. Ça suffit largement. Vous voyez, ça fait des... Comment dire? Ça fait des petits reliefs supplémentaires. C'est pas mal. Surtout qu'en fait, on va avoir du bois pour les barrières qui vont être là. Donc, ça va bien habiller. Et derrière, on aura des carreaux. Donc, ça va être sur... Oh, ça va être sur plusieurs épaisseurs. Voilà, avantage inconvénient de construire avec de la sandstone, c'est que la sandstone, ça pète très vite. Hein. Et il faut faire attention parce que qui pète trop vite, donc du coup, n'importe quoi. Donc quand même, faut faire attention. Pardon, excusez-moi. Miam, c'est très bien. Salut, Tanning-san. Voilà. Ah oui, l'effet carrelage, il est cool. Alors, en fait, oui. Non, ça, les blocs au sol. Alors, je dois être honnête. Ça va pas rester, ces blocs-là. Les blocs qui sont là, en fait, ils vont disparaître. C'est juste pour les faire verdir. Pour faire mes barrières, les barrières qui vont être ici, des barrières de. Qui vont être là comme ça. Voilà, je trouve que le vert, il se marie bien au niveau couleur. Donc voilà. Et en fait, par contre, pour le sol, pour le carrelage, j'ai fait un petit mélange de teuf. C'est du teuf et c'est des blocs polis. Il y a un coup les nouveaux blocs de teuf et un coup du poli. Et en fait, quand tu fais un truc comme ça, ça rend pas mal. J'aime bien le style. Pour le sol, c'est cool. Après, je vais faire des sols différents pour les étages et tout. Mais là, pour cette partie-là, ça se mariait pas trop mal. Alors là, par contre, on a des barrières en bouée. Des barrières en bouée qu'on va mettre. Donc, ils sont les barrières en bouée. On va les mettre ici, et ça va monter jusqu'en haut. Et derrière, on aura des carreaux, des vitres, mais... Des vitres... Je sais pas, t'as assez grand du tout. J'ai pas pris mes machins, moi. J'ai pris juste les barrières comme ça, à crotte. En fait, en traviole, il va y avoir des fences. Des fence gates, bien sûr.
Alors là, bon, je vais monter au moins déjà celle-là. Ça sera fait. Et ce qui est fait n'est plus à faire, on dirait ma femme, par conséquent. Hop, 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 et ça va monter jusqu'à l'escalier. Jusqu'à... Je vais garder les trucs comme ça, hein. Ça fera bien l'affaire. Des fois, j'aime bien mettre des blocs plats. Donc du coup, après une dalle et tout ça, et faire un dégradé moins haut. Mais là, on va le garder comme ça, parce que de toute façon, c'est fait pour être vu de loin. Hein. Voilà, de loin. Donc là, on voit pas du tout qu'il y a un léger décroché à cet endroit-là. Faut vraiment avoir une très très bonne vue. Et moi, c'est pas le cas, donc c'est pas grave. Petit dodo, bien sûr. Et bim. Salut, c'est Alix. Ça va bien. Voilà. Et salut à ceux qui sont en train d'arriver. Et bon. Voilà. Donc on fait un petit châtal. Un châtal des châteaux. Hein. Un petit châtal en hardcore. Ouais, bon, j'ai pas fini mes toits. Hein. Évidemment, les toits vont monter là. Mais donc je suis en train d'avancer un peu l'arrière. Qui est là. J'ai un petit mode spectateur. Hein, ce qui m'aide quand même à prendre du recul. Parce que voilà. Par contre, il faut que je fasse attention parce que mon corps est toujours ici. Hein. Donc, si on m'attaque, je peux mourir, c'est dangereux. Merci Rockmood qui a offert un sub à. Je sais pas si on dit Tanuxan ou Tanuxan. Mais en tout cas, merci Rockmood, c'est super gentil. Alors, c'est adorable. Donc, du coup, on est bon. Ça, on est bon. Ouais, je ferai les petites barrières intermédiaires après. Là, par contre, je peux les mettre tout de suite, celles qui sont là. J'en ai encore. Ouais, on en a encore. Touch. Parce que là, on va aller juste au milieu. Tac. Et on aura les carreaux qui viendront derrière. Je vais peut-être commencer à monter un petit peu mon toit, d'ailleurs, pour que vous voyez ce que ça donne. Alors, c'était assez marrant parce que la face avant, je m'inspire d'une photo d'un château que j'ai trouvé sur Pinterest. J'ai un petit site où on trouve plein de trucs. Bon, je l'ai fait à ma sauce à moi, bien sûr. Et tout l'arrière, je m'en inspire et puis je fais à ma sauce. Tiens, d'ailleurs, j'ai laissé des échafaudages, là. Je crois que je les récupère. L'arrière, je le fais plus selon une certaine logique à moi. Voilà. Ce qui n'était pas évident, c'était de retrouver les bons... les bons étages. C'est juste ça. Voilà, comme ça, là, j'aurais... belle avancée, si ça serait cool. Puis on verra comment est-ce qu'on gère le truc. Là, en fait, j'ai vraiment, je vais vraiment avancer un peu les toits pour qu'on voit ce que ça donne. Ici, de toute façon, ça va être plein. Puis après, on va repartir dessus. En deux. Et normalement, on est censé rejoindre l'autre côté. Je pense que ça va aller. On a du temps, là. Ouais, bien sûr. Pain terrestre. Ouais, c'est ça, Thomas. Exactement, Thomas. Coucou, Edith. Coucou à tous ceux qui sont arrivés. Bienvenue, les amis. Welcome com. Donc ça c'est bon, on va quand même se faire pas mal d'escaliers comme ceci. Attention à pas se gourer, voilà. En cobble dipslet qui ressemble beaucoup à des tuiles d'ardoise. Ça c'est plutôt cool, je peux même en refaire encore un stack sans problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et même encore un. Parce qu'on est des oufs. Et puis ça, de toute façon, quand on mine, on en récupère moult. Donc tout va bien. Alors, là, c'est go les escaliers. Alors par contre, tant que je suis toujours au premier étage. Pop, hop. Je suis obligé d'aller doucement. Après, ça va aller beaucoup plus vite. Pour les poser. Alors là, du coup, on va prendre des blocs pleins. On va mettre là, 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 là. La 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 la. Ok, ok. Bon, la jonction. Comment je vais faire la jonction? Oh, tiens, je me suis pas posé encore la question, mais. De toute façon, j'aurai les vides derrière. Donc, j'aurai forcément. Ah oui, si j'ai des vides derrière, j'aurai forcément ça derrière ici. On aura forcément des trucs comme ça ici. Pop, pop. Là, on va se reprendre des blocs pleins. Ok. Ok. Les vitres, j'aime bien les entourer avec des trucs comme ça. Ça passe nickel. Ok. Et puis pour les escaliers.
Ah oui, enfin, j'ai pas tellement. Ouais, c'est pas grave. Schlack. C'est vrai que j'ai mon support qui est de ce côté-là. Là ou là. Là ou là, ou là. Qu'est-ce que t'as là? J'ai que 4. Ok. Ouais, on va monter gentiment comme ça. À pas s'embêter. J'ai que 5 de large. Sauf après. Ah oui, j'ai pas fait ce que j'allais faire sur ces fenêtres. Je vais lui faire une petite façade quand même à son pépère. À partir de où? Attends. Déjà là, ça va monter. Là, là. Là, 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 là. Ok. Hop, hop. Ici, je vais être plus bas quand même. Il me reste que 2. Il mettra les habillera après. Alors, par contre, ici. Est-ce que je fais F4? Est-ce que je fais comme j'ai fait devant? C'est qu'en fait, c'est sur la façade où j'ai rajouté. Ça fait du relief, en vrai, c'est sympa. Bon, on va faire un truc un peu dans ce style-là. Je pense que ça peut être cool. Alors, c'est-à-dire. Qui est ce vilain? Ici. Qui est ce vilain? Oh, c'est des gentils vilains, ça. Oh, c'est doux! Qui a offert un sub à Krisa? Mais c'est trop gentil! Merci! Coucou Krisa! Eh, 12 mois de sub! T'as vu? Voilà. Qui avait reçu 12 mois d'abonnement et qui a entamé son 7ème mois. C'est magnifique, c'est merveilleux. Eh bien, merci beaucoup pour ce support. Indéfectible depuis tout ce temps. C'est trop gentil. En fait, ici, si on réfléchit bien, on va avoir un truc qui va faire comme ça. Qui va rejoindre ici le toit, bien sûr. Et bien sûr. Et donc là, en vrai, je vais avoir un truc comme ça. Un truc comme ça. Ici, on peut mettre. Tiens, là, par exemple, une trappe d'or, ça pourrait aller au-dessus de la fenêtre, comme ça. Et puis là, on mettra juste ça. Juste un bloc plein. Pourquoi? Parce que devant. Devant j'aurai des blocs en bois. Tiens d'ailleurs on... Ah bah j'en ai sur moi, bah très 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 bien. Je les mets tout de suite qu'on va voir ici. Allez, tu vas y arriver. C'est bien mon pépère. Ici. Alors là par contre en dessous je vais en avoir un. Alors là c'est soit barrière, soit je peux mettre un truc comme ça avant. Ça peut être joli. F4. Voir. Vous voyez, ça fait. Ça peut faire cool. Ou alors, ça peut faire trop épais. Dans ce cas-là, je vais rajouter juste une barrière. Au choix. Au choix du roi. Je vais faire ça, ça, ça. Peut-être un peu trop épais. Donc, dans ce cas-là, je vais mettre plutôt. Plutôt une. Qu'est-ce que je mets Ah, j'ai plus qu'une barrière comme ça, crotte de nez. Bon, c'est pas grave. On va se mettre une. Bah, de l'autre côté, de toute façon, je crois que j'en ai mis des comme ça. Je crois bien. Tac. 1, 2. Schlack. Schlack. Voilà, c'est bien ça. Ça fera bien l'affaire. Donc on va mettre juste ici. Bon, je sais, vous la voyez pas non plus. Moi non plus, d'ailleurs. Mais on va la voir, on va la voir. Elle va apparaître sous vos yeux ébahis. Paf. Et du coup, retruc en bois qui va aller là. Voilà, et ça de loin, normalement, ça devrait pas être trop mal. Bon, ça va être mignon, chat dedans. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On est pas mal. Par contre, est-ce que je lui rajouterai pas deux petits machins sur les côtés? Alors là, j'ai dit qu'il faudra que je mette deux petites barrières en fer supplémentaires. Ou une. Peut-être pas trop abusé. Est-ce que j'en rajouterai pas là? Ou au-dessus, tiens. Au-dessus, ici, on pourrait rajouter... Peut-être pas sur les côtés, ça va faire trop. Ça va trop charger. Que là, par contre, je peux mettre, admettons... Bon, je vais changer de refaire des trucs comme ça. D'où mon stone cutter? Ah, il est là. C'était caché. Hop. One, two. Schlack,
touche là. Ok, ok. Donc je vais en mettre une ici, plus une barrière en fer là. Et ça fera bien l'affaire. Voilà, comme ça c'est bien. Ouhou. Est-ce que je peux aller par là? Non. Que nenni, je les mettrai après. Voilà, là au niveau de la hauteur, on est bien. C'est simple, sobre, efficace et pas cher. C'est bien. C'est très très bien. Par contre, ici, évidemment, on va rejoindre. Alors attention, parce que là, ça va être un bloc plein, bien sûr. Hop. Et. Ok, là, on va avoir le bloc ici qui va rejoindre les escaliers qui vont être dessus. Là. Voilà. C'est bien. Et comme ça, à cet endroit-là, eh ben, le toit repart en mode tout droit jusqu'au bout. Enfin, au moins jusqu'à la grande fenêtre. Je sais pas comment est-ce qu'on va la gérer. On se débrouille, les amis, on se débrouille. En tout cas, c'est sûr, ça vient là. Là, j'aurai forcément le bloc du dessous qui va continuer tout droit, mais on verra ça après. Ça, ça va jusqu'au bout. Ok, oui. C'est cool, hein? Ah ouais, on en a du monde là-dedans, t'as vu ça? 2658 personnes. Enfin, sur... ça change tout le temps, hein, de toute façon. Quand t'as beaucoup de monde comme ça, c'est logique, hein. Il y en a qui vont, qui viennent, qui repartent, qui disent bonjour, qui disent... D'autres qui s'en vont et qui reviennent en disant « Ah, oh, mais en fait, c'était bien !» C'est cool, c'est zen, et la vie est belle, et tout ça. Ok. Je pense qu'au niveau taille de fenêtre, en vrai, on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Après, ça ferait abusé. Prétentieux. Allez, ça, c'est bon. Là, ça va se poser plus vite. Est-ce que je vais oser? Par contre, faut vraiment pas que je tombe. Et là, en vrai, si je tombe de là, c'est possible que je meure. Je vais pas faire trop le kéké, là, quand même. Hein. On va pas faire trop le kéké. Coucou Styx ! Qui a reçu Prime pour son 7e mois ? Merci, ça le roi la forme ! Toujours aussi paisible et à regarder tes lives. Eh ben, écoute, merci beaucoup. C'est vraiment le concept. Tu sais, je me dis... bon, moi j'ai travaillé, j'ai fait des boulots pas toujours faciles et tout ça. Et le soir, quand tu rentres, et même quand tu vas en cours, hein, ben, le soir, des fois, t'as la grosse tête et tout, t'as fini tes devoirs et tout, et tu te dis, bon, ben j'aimerais bien être un peu pépouse, quoi. Tu vois, un petit peu tranquille dans ce monde de brut. Et des fois, je vois des streamers qui s'énervent et tout, et je dis, c'est peut-être pas ce que les gens ils ont envie de voir. Bon, je me trompe peut-être, hein, mais en tout cas, voilà, j'ai toujours dit je vais mettre des musiques joyeuses. Je suis moi-même quelqu'un qui est joyeux. Donc du coup, autant essayer d'apporter un petit peu de bonne humeur dans ce monde de brut. Bien sûr. Voilà, bon là ça peut plus spawner, on verra pour le reste, pour la hauteur après. Vous savez pas quoi? Là, un truc que j'aime bien faire quand vous avez ça, c'est... Regardez. Je trouve que ça fait joli. Faire une petite jonction comme ça avec des barreaux en fer. Oh ouais, tout de suite. Voilà, ça c'est. Ça manquait carrément, tu vois. Alors du coup, pouette, 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 bim et bim. Voilà. Ah ouais, vous êtes d'accord aussi, hein. Super. Moi j'aime bien quand les gens sont d'accord. Bon après, c'est bien aussi quand les gens. Des avis différents, mais bon, ça, alors je sais que ça se voit pas beaucoup, mais voilà. Alors ça peut faire bizarre, hein, le fait que le truc il soit décalé qu'à table, mais en vrai, ça se voit plus. Je trouve ça, c'est ça va. De toute façon, le toit il va se rejoindre de partout. Là, je sais pas encore comment je vais faire ma petite jonction à cet endroit là. Je sais pas encore. On va voir. Je pense que je vais boucher. Je vais boucher sans doute avec des blocs pleins. Ici, là. Là. Tac, 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 tac. Puisque là, en fait, j'ai mis ça pour les carreaux. Il va y avoir des carreaux ici.
Donc là, si on met des blocs pleins, je pense que ça va passer. Pas trop mal. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, on va se mettre... on va monter. On va monter. Comment avec ça? Et... Pan. Choc, choc. Là, c'est pareil. Attention. Vous savez pas quoi, les barrières. Je vais m'en faire tout de suite parce que... Il est où mon stone cutter? Il est là, là, là. Voilà, prévoir tout de suite les barrières que je vais mettre. Il faut quand même pas mal. 33. J'ai toujours peur de d'appuyer un peu trop haut. Donc elles vont être juste derrière. Là. On va les mettre tout de suite. Au moins jusqu'à là déjà. Oups. Oups. Bon alors, on va faire le pas. Un peu moins dangereux. Ok. Ça c'est cool. Ça je peux en plus je peux m'appuyer dessus. C'est très très bien. Ok. Ok, donc ça c'est cool. Il faut les escaliers à côté. On va remplir ça gentiment. Alors en fait, donc là je vais avoir mes barrières que je n'ai oublié de mettre. Ici, pareil. Tac, tac, tac. Et là, je peux m'appuyer sur ces blocs-là. Très, très bien. Oh ! Coucou, mon Pierrot ! J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour ton soutien. Il m'a fait un stack. C'est le stack de subs ! Incroyable ! Oh, oui, c'est beau, mais c'est beau. Bon, j'essaye hein, de faire... Alors, on est toujours, comme d'hab, en survie, bien sûr. F4... En hardcore, là, je suis même en hardcore. Et je fais un petit château renaissance à son pépère. Je pense qu'il va être cool. Là, la tour, elle va monter encore. Mais il va y avoir... Là, partout, là, il va y avoir un super grand jardin à la française. On se fait un truc qui va péter le steak, là. Le stack de sub. Ouais. Je suis un tout petit peu plus chez toi. Ah ouais, j'étais à 69 la dernière fois. 60, je dois être à 70 ou je sais plus quoi. Mais merci, vraiment, merci à Pierre, ça me fait super plaisir. L'ami Emeric. Voilà. Ouais, mais tu sais, on est potes avec pas mal de gens. Hein. En même temps, moi, je suis un peu le papy là-dedans. Hein, et ça leur fait plaisir, parce que sinon, il y en a certains qui diraient « Oui, mais sinon, c'est nous, les papys. » Je rigole, je rigole. Mais du coup, c'est bien. C'est... Non, et puis ça, moi, je suis content. Hein. Se fait plaisir entre nous. Bah dans Minecraft, hein, la communauté française, je connais quasiment tout le monde, et même IRL en plus. On a beaucoup, beaucoup avec qui on s'est rencontré IRL. Forcément, on crée des liens, un coup ensemble, tout ça. Ouais. Enfin, on passe des bons moments, quoi. Donc forcément, ouais, ça crée des... les vitraux, là, par contre, je vais être obligé... Ah ouais, comment je vais gérer ça? J'ai pas pensé, dis donc. Si, en mettant des blocs derrière, mais par contre, lui, il va peut-être se voir. Bon, on verra comment je gérerai le truc. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé. Si je mets un bloc derrière, ça va faire bizarre, non? Oh, peut-être pas, remarque. C'est pas sûr. Bien, il m'en reste 3. 1, 2, 3. Ça sera pour les carottes derrière. Là, hop, hop, et hop. On aura un truc dans ce style au niveau des vitres. Ouais, on verra. Bon, je verrai comment je gérerai le machin. En tout cas, ça, c'est bon. Ça, je suis pas encore sûr à 100%. Je crois que j'aurai mes carreaux là. Si c'est possible que ça continue comme ça. Je verrai. On verra. Bon, pour l'instant, je vais les mettre. Ça mange pas de pain. Par contre, j'ai intérêt à faire attention à pas me croûter. Là, j'ai intérêt à le mettre dans ce sens-là. Ouais, c'est bien. Ok. Décalé d'un cran. Oui, oui. Et là, par contre, ah oui, je sais pas comment je vais le gérer. Ou alors, je mets des blocs pleins ici plutôt que ça. Ça fait bizarre. Hein. Je vais peut-être mettre plutôt des blocs pleins parce que l'escalier, on comprend pas pourquoi. D'un seul coup. Je pense que je vais mettre des blocs pleins comme ça. Ah, forcément.
On va boucher comme ça. Ici. Touch. Ça me paraît un peu plus logique. Ok. Pouette. Ça y est, voilà qui se met de faire un temps de bain. Donc là, si j'ai 10 blocs pleins, attention, j'ai rien derrière. J'ai rien en dessous, je sais plus. Là. C'est dangereux. Ok. Ok. Et donc là, on va avoir. Par contre, ici, on a la jonction qui se fait comme ça. Ouais, c'est pas mal ça. We are good, les amis. We are good. Sauf que là. Mais non, c'est ça qui va pas. Mais bien sûr, je sais pourquoi. Ouais. Vire-moi ce truc-là, toi, Goubours. Là, éventuellement, je peux le laisser, ce bloc-là. Ou alors, je mettrai un bloc plein. Oh, on mettra un bloc plein. Parce qu'en fait, ici, regardez bien, on va avoir un bloc comme ça, qui va venir là. Schlack. Pas lui. Pas lui, il est pas beau. Lui, on va avoir... Ah bah si, la jonction qui va venir là et... Et là. Et là encore, ça va venir jusqu'à ici. Et là, par contre, j'ai bloc plein. Tu me diras, ce bloc là, je peux le mettre comme ça. Et ça repart ici. Comme ça, ça c'est bon. Ça, oh, c'est bon. Ça, ok. Et je rejoins comme ça et comme ça. Et not bad, not bad. Et là, du coup, il manque plus que l'escalier qui est là pour faire la jonction. Faire attention. Parce que c'est la marboulette. Et ça, c'est bon. Et pouette, pouette, et pouette. Voilà, comme ça, là, on a un joli toit qui est logique. Il n'y a que cette partie-là. Cette partie-là, là, comme ça, elle n'est pas logique. On va virer ça. Là, le pilier qui est là, je vais le virer aussi. Et je vais mettre directement. Allez, escalier comme ça. Voilà, ça, c'est un peu plus logique. C'est un peu plus logique. Puisqu'ici, j'aurai un truc. Ouais, c'est bien ça. On est pas mal. On est pas mal, les amis. On est pas mal. Oula. C'est un peu flippé, cette histoire. Ça, ça dégage. Qu'est-ce... Ici, je vais avoir ça. Je vais avoir... ça ici, et donc j'ai viré celui qui était là pour mettre ça comme ça. Ok. Ben c'est pas mal. Elle raconte quoi cette fenêtre? Tiens, on voit mon bloc pour la bourse. F4. Je recule un peu. Ça, c'est la face arrière. La face arrière. J'articule. Regardez, regardez les clowns. Et je vous jure. Ça va les gars, je vous jure. Non, ça va être sympa. Ça va être sympa. Ça va être bien sympa. Et puis elles sont... En vrai, elles font pas trop exagérer. Hein. J'avais peur qu'elles fassent trop abuser les fenêtres là, mais en vrai, ça va. En vrai, c'est cool. C'est cool. Est-ce que tu as testé Green Hell? Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ah oui, tu parlais de celle de Sainte, Tib. Ah ouais. Oui, Banders. Rien dire. Mais... Ok, allez, ce toit-là, c'est bon. On peut avancer celui qui est là gentiment. C'est bien parce qu'on aura pas mal avancé aujourd'hui, disons. Je suis plutôt content. Ça, je peux le récupérer en attendant. La tour et tout ça, on verra après. Là, on va se remonter quand même un petit bidou. Juste là. En vrai, je peux monter la partie là vite fait, bien fait. Sauf que, est-ce que j'en ai encore des... Non. J'ai toujours un peu peur. Alors, vous avez des sons particuliers qui ne sont pas de Minecraft d'origine. Hein, j'ai des petits modes sympas
Et dans mes mods, j'aime beaucoup les sons. Donc j'ai rajouté le surround d'ambiance, je sais plus quoi là. Voilà, qui sont cool. Et salut à ceux qui sont arrivés entre-temps. Salut Odin. Salut Vassili. Ancêtre. Quand même. Je suis pas si vieux que ça, mais bon. Et bon. Alors du coup, oui, par contre, c'est sûr que si t'as 10 ans, là, je peux paraître un ancêtre. Ça, tout dépend en fait de la ref qu'on a de départ. Je me rappelle, quand j'étais petit, j'avais 10 ans, et je pensais à l'an 2000. Et je me disais, oh purée, en l'an 2000, j'aurais 35 ans, comment je serais trop vieux en vrai. Et donc c'est là que j'ai compris. Et quand est arrivé l'an 2000, j'ai eu 35 ans, et je me... Bah évidemment, à 35 ans, t'es jeune. La patate et tout, tu sais. Mais c'est là que je me suis dit, mais en fait, les petits 10 ans, ils me voient comme un vieux. Vous voyez, tout est une question de paradoxe. Donc c'est assez marrant. Paf, 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 paf. Tout est une question de proportion. Et par rapport à Maître Yoda, je suis très 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 jeune. Voilà. Salut Granola. Petite 42 aussi. Évidemment. Qu'est-ce qu'on voulait là? Ah oui, des petites barrières. Ça comme. Bim, 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 bim. Donc, ça je peux récupérer. Par contre, un petit dodo, ça serait peut-être pas une mauvaise idée là, les gars. Quand je dis les gars, c'est les gars, les filles. Bon, je fais pas de jaloux. Là, j'ai la tête qui est dans le vide là. J'ai peur. Ah, ça va. Je me rappelais même plus qu'on pouvait poser un lit même que sur un seul bloc. Et des fois on fait des trucs quand même be careful, hein. Ce very dangerous. Je peux les mettre là. Oh, c'est. Oh, crotte, j'en ai mis trop. Hop. Et puis là, on verra. Comment est-ce qu'on fait? Ah oui, non, de toute façon, j'en avais un point. Ça, je peux le mettre ici. Ici. Je sais plus, c'est à partir de où que je mets l'escalier, ce truc-là. Ça, c'est peut-être. On verra. On verra bien, on verra bien. Là, je vais avoir un bloc plein ici. Tac, tac, tac. Tac. Est-ce que je le mettrais pas? Bon, pas tout de suite. Pas tout de suite. Donc là, je vais rester sur du plein. Comment j'ai fait là? J'ai pas mis de. Je vois pas de là-bas. Je suis trop. Je suis pas assez grand. F4. Tac. Je crois que c'est à partir de là j'ai mis un escalier, hein, c'est ça. On va voir. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, c'est bête. J'ai laissé ça. Je l'ai mis au-dessus, moi, l'escalier. Ah oui, si, 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 si. On va aller jusqu'en haut. On va aller jusqu'en haut. Escalier, on va pas le mettre tout de suite. Pam, 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 pam. Escalier, on va le mettre après. Donc, là, en fait, je vais avoir encore un bloc comme ça. Jack. Là, je vais avoir les trois blocs comme ça pour mettre les carreaux là-dedans. C'est bon. Donc là, on va rester avec des blocs pleins. Comme ça, comme ça. Voilà. C'est bien. Poète, poète, poète. Ça, c'est bon. Et là, effectivement, voilà, c'est à partir de là où je vais avoir les escaliers qui vont être là, qui vont être ici. Le bloc plein qui va être là. Là, là. Là, là. Il est déjà 20h30, mais c'est pas possible! Il est déjà 20h30. Non, mais allô, quoi. Oh, j'ai rien vu passer, les amis. J'ai pas vu mon live passer. Ça va être trop vite. Ça va aller là, ça va aller là, et ça va aller comme ça. Voilà! Eh ben, c'est magnifique, ça. Et comme ça, ici au-dessus, je vais avoir récupéré les escaliers qui vont être là. Et tout concorde. C'est incroyable. Bim! Voilà, bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Ben, je vais récupérer ça, qu'on remettra plus tard. On fera les bouchages de trous ultérieurement. Et là, on va se mettre là-bas, parce que là-bas, c'est pas dangereux. On va se mettre au balcon, les amis. Eh, on est pas mal, hein. F4. Bim! Ouais, il est beau, coucou. Regardez, c'est la princesse qu'il faut libérer, c'est moi.
Bon, ben, c'est cool. On a refait quand même le toit qui était là. On a pas mal avancé. On a bouché les côtés qui étaient sur, qui étaient là, là, comme ça, pour finir le rez-de-chaussée. Avec les petits machins, là, j'aurai la tour à terminer là, à monter le reste ici. Mais bon, ceci sera une autre histoire, bien sûr. Donc, il est 20h30, alors restez avec nous parce que je vais passer 60 toutes petites secondes de publicité. Et là, on va mettre en PLS quelqu'un, parce que comme on est 2600, presque 700, ça me fait rire. Donc, du coup, on va hoster quelqu'un qui est pas prêt du tout. En tout cas, merci mes petits modos d'amour, je vous aime fort. Merci à tous ceux qui ont fait des subs, des bisous, des câlins. On se retrouve demain à 18h dans la joie et la bonne humeur. Demain, je pense qu'on fera du Starfield. Il y a des chances que j'ai redémarré un truc, vous allez voir, ça va être trop cool. Et bah, du coup, prenez bien soin de vous, passez une bonne fin de soirée et restez avec nous pour 60 petites secondes qui me permettent de mettre du beurre dans les épinards et de hoster quelqu'un, bien sûr, dans la joie et l'allégresse. Voilà. Allez, du coup, on fait... toc, 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 on fait ça. On fait 60 petites secondes ici. Et bim! Alors, qui c'est qu'en live qu'on rigole? Là, ils sont pas prêts, là, à mon avis. Alors, sur Twitch, j'ai envoyé 2500 personnes, je suis mort de rien. Attends, mon chat, t'énerve pas. Miam, 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 miam. Arrête, Titi, arrête. Ah, j'ai mon chat qui me gratte dessus. Arrête tes bêtises. Arrête. Qui c'est qui est en live, qui a moyen du monde. Ça serait trop drôle. Et pour, et vous savez pas quoi, il est pas prêt. À mon avis, il est pas prêt. Aurélien, il s'attend pas à ce que je lui envoie autant de monde que ça. Mais Aurélien, alors Aurélien, il se rend pas compte quand on le host. Hein. C'est ça qui est embêtant. Oh, qui c'est que je vais hoster Pub du Rex? Non, t'es sérieux? Bon, allez, on va hoster... qui c'est que ça va faire plaisir? Bah, je vais quand même hoster Aurélien. Allez, je vais quand même hoster Aurélien. Allez, parce que je l'aime bien, mon Aurélien. Son pépère. Alors, du coup, tac. J'espère qu'il va s'en rendre compte. Quand même. Je te jure. Hop. Je coupe la musique. Elle va pas se couper. Je te jure. Paf. Tac. Et bim, c'est parti. Alors. Vas-y, clique un peu pour voir où tu es. Ah, par là. Ok, je te suis comme ça. Pratique ça. Hein. En tout cas, je tiens à le redire. Parce que...